Nous sommes le samedi 7 mars 2015, il est 9h, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marcel Houlès présent. Pierrette Mounier. Présente. Grégory Atéba. Présent. Caroline Dumont. Absente. Ali Bouchama. Présent. Fabien Gidio. Présent. Toufi Kamdi. Présent. Martine Bernada. Présent. Bertrand Carlin. Présent. Nina Trac. Présente. Gilles Dauvergne. Présent. Myriam El Alaoui. Présent. Eddie Popote. Présent. Évelyne Orlaville. Présent. Thierry Rochette, absent pour Marcel Houlès. Georges Pambou. Absent. Christian Jaillet. Présent. Gaël Bouvier. Présente. Pierre-Marie Soulis. Présent. Nous allons procéder à l'élection d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Qui est candidat? Grégory. Grégory est un vrai candidat. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Grégory, c'est toi le secrétaire. Georges Pambou arrivant, on le déclare présent. Avec votre dossier du conseil municipal, vous avez eu le compte rendu ou le procès verbal du dernier conseil, celui du 20 décembre. Y a-t-il des remarques? Monsieur Soulis, on vous écoute. Oui, une remarque. Considérant que vous avez acté la bonne idée de filmer le conseil municipal que je vous avais proposé, j'ai lu le compte rendu. Je ne sais pas si c'est un aveugle ou un sourd qui les rédige, mais je vous propose de faire plus simple la prochaine fois et d'établir juste les votes, vu que les attendus que vous citez sont vraiment n'importe quoi, et de reporter vers les vidéos que chacun pourra consulter pour se faire une idée. Parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité de conseil en conseil. Donc, je vous propose de faire simple, et puis les outils vidéo sont là, il suffit de reporter, suivant l'ordre du jour, comme je le fais, vers chacune des questions, et puis vous avez l'attendu des différentes décisions. Le procès verbal est obligatoire, le procès verbal doit retranscrire les décisions du conseil, et on continuera à faire comme on a toujours fait, et on ne changera rien. C'est obligatoire. La vidéo n'est pas une chose obligatoire. Vous avez décidé d'en installer une, on a fait pareil, comme ça au moins on est sûr que tout est transparent. Donc ça n'empêche pas les gens d'aller voir la vidéo après. Mais le procès verbal restera tout tel qu'il est, et parce que c'est obligatoire. Oui, mais il y a de nombreuses villes qui le font, qui donnent juste un court résumé des décisions et qui renvoient vers les séances filmées qui sont très claires. C'est pour vous éviter du travail, mais si vous voulez continuer à le faire, faites-le. On continuera à le faire. Il n'y a pas de problème. D'autres remarques, d'autres questions? On va passer au vote. Qui vote contre l'approbation du... Eh bien moi. Monsieur Soulis. Qui s'abstient? Adopté. Premier point d'ordre du jour, c'est les affaires générales, création de la commission liste électorale, élection des membres du conseil municipal. Je vous avais envoyé un mail pour vous expliquer ce qu'était la commission liste électorale. En fait, ce n'est pas une commission obligatoire. Elle pourrait ne pas être créée par le conseil municipal. Les textes prévoient que c'est le maire, par un arrêté, qui nomme un certain nombre de personnes pour faire fonctionner cette commission. Je rappelle, dans la commission, tout le monde a le même pouvoir dans cette commission-là. Il n'y a pas, de président, il n'y a pas de vice-président ou d'assesseur. Tout le monde a le même pouvoir. Le texte stipule juste qu'il faut 3 membres par bureau de vote. Donc nous sommes 2 bureaux de vote, donc il faut 6 membres. Donc comme je vous le proposais dans mon mail, on va créer une commission par souci de transparence totale, respect pour l'opposition qui siège sur cette table, qui pourront comme ça voir comment on procède quand on met à jour les listes électorales. Donc j'avais demandé qui était candidat.
Je proposais donc pour 6 membres, 4 du groupe majoritaire, puisque nous sommes quand même 15, et 1 pour chacun des deux groupes d'opposition. Donc j'ai eu des réponses. Alors les groupes majoritaires, les candidats, c'est moi-même, Pierrette Munier, Eddy Popote, Lina Trac. Pour la première liste d'opposition, Chanteloup Notre Village, c'est Christian Jaillet qui sera candidat. Et M. Soulis s'est porté candidat pour Chanteloup ensemble. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, la commission électorale sera composée de 6 membres. Y a-t-il d'autres candidats qui voudraient s'en ajouter ? Dans ce cas, on procéderait par vote à bulletin secret. Si vous êtes d'accord sur les 6 noms pour cette table, je vous propose et que le nouveau tour à main levée. Si une seule personne autour de cette table voulait que nous votions en bulletin secret, nous voterons en bulletin secret. Avez-vous des choses à dire, des remarques à faire avant que nous passions au vote de cette commission ? C'est lourd comme commission ? Non, c'est pas lourd du tout. C'est en gros 2 réunions par an. Il y en aura une avant les élections, juste avant les élections départementales. On est en train de recevoir les derniers documents de l'INSEE pour pouvoir les mettre à jour. Et on en fait une en général vers la fin de l'année pour certifier tous les mouvements que nous signale l'INSEE en cours d'année. Quand il y a des décès, quand il y a des déménagements ou des arrivées nouvelles sur la commune. Nous travaillons à partir des documents de l'INSEE, c'est une mise à jour des listes. Voilà. Monsieur Soulis, vous vouliez poser une question ? Poser une question, non, mais en fait, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire par mail, donc je pars mettre ça, on va accélérer. D'accord. C'est très simple. Donc, est-ce que quelqu'un s'opposerait à ce que nous votions en main levée ? Donc, je répète les membres qui composeront cette commission, Marcel Oulès, Pierre Cunier, Eddy Popote, Lina Trac, Christian Jaillet, Pierre-Marie Soulis. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Qui est pour ? À l'unanimité, la commission liste électorale est créée, et je répète les membres, Marcel Boulès, Pierre Attigné, Eddy Popote, Lina Trac, Christian Jaillet, Pierre-Marie Soulis. Nous ferons donc une réunion de cette commission avant les élections, pour que je vois le... Alors ça se réunit dans la journée, hein, en général. Donc on choisira un jour qui convient à tout le monde, pour que tout le monde soit présent. Deuxième point à l'ordre du jour, ce sont les problèmes d'urbanisme. Ce sont des choses que nous avions vues en comité urbanisme. Ce sont des demandes faites d'une part par le département, et ensuite, l'autre problème, c'est les rétrocessions de voiries, d'espaces verts, d'éclairage public à part de la ZEC du Saint-Chef-Yac. Et une partie de la ZEC du village où les Pamars n'avaient jamais fait la rétrocession. Concernant le déclassement de la RD5, entre la RD5 bis, avenue Boitchini, et la RD231, ces routes de province, tout ça est lié à la création prochaine, l'ouverture prochaine, de la déviation de la RD5. La déviation de la RD5, vous avez pu avoir les travaux, elle part du sud du village, à l'entrée du village, après Fontenelle, et rattrapera le RD231 par un carrefour à feu, entre le Clos du Chêne et la future concession Renault qui ouvrira début avril. Donc, vous avez dans le dossier le plan de cette RD5 dédiée et aussi la RD5 avec les tronçons qui vont rester au département et les tronçons qui vont être à déclasser, donc à retourner dans le patrimoine communal. La commune de Montévrain a aussi la même manière à se prononcer, je crois qu'elle a déjà fait, sur la partie de RD5 qui est sur son territoire, qui sera déclassée. Donc la RD5 bis partira du carrefour giratoire au sud de la commune, à l'entrée sud de la commune. Elle va aller jusqu'à l'embranchement de l'avenue du Boitchini et de l'avenue de la Jonchère, et elle continuera tout le long de l'avenue du Boitchini comme elle est actuellement, c'est la RD5 bis. Le tronçon à déclasser et donc part justement de l'embranchement avenue de la Jonchère jusqu'au carrefour giratoire de la RD 231.
Nous avons fait une visite technique de la partie qui a été déclassée et un certain nombre de travaux ont été listés avec le département qu'ils feront pour nous, avant que l'acte définitif de rétrocession à la commune soit fait. Réfection de couches de roulement, démontage de d'îlots, pontage des fissures et purge si nécessaire. Démontage d'îlots, c'est, si vous voyez ce que je veux dire, c'est les pavés. Les pavés qui sont en centre de, au milieu de chaussée. Bon, qu'on avait fait installer à l'époque pour justement ralentir un peu la vitesse, mais qui, avec le temps, finissent par se déchausser, par bouger et sauter. Ça sera remplacé par un îlot en enrobé, recouvert d'une résine, hein, pour justement garder cet aspect voie un peu plus étroite et maintenir, éviter une accélération trop violente. Voilà. Avez-vous des questions à poser ? Non ? Vous avez des questions ? Oui. Le département déclasse cette voie à cause de la construction de la déviation qui va vers le clos du Chêne. Oui, oui. Pourquoi ne garde-t-il pas la gestion des deux et les défenses et les dépenses afférentes à ces deux voies? Pourquoi il nous en fait, pourquoi il fait un échange? Pourquoi il ne garde pas les deux? Parce que c'est considéré comme voie communale. À partir du moment, ce n'est plus une voie départementale. Et là, il pourrait faire la même manière pour la RD5 bis, et ça fait des années qu'il parle de redéclasser la RD5 bis et de la rétrocéder au domaine communal. Pour le moment, ce n'est pas fait. En plus, elle serait partagée entre deux collectivités, la commune de Chanteloup pour la première partie, celle qui part justement de l'embranchement des deux avenues vers le rond-point de la Liberté, et Marne-et-Gondoire, puisque c'est la partie qui va donc de le rond-point de la Liberté vers le RD 231, considéré comme une voie, une liaison intercommunale, donc dépend de la communauté d'agglomération. C'est une pratique courante que fait le département quand il y a des contournements de ville, de retrocéder la voirie à la commune. Il faut savoir aussi que, tant qu'elle était départementale, ils ne avaient à s'occuper que de l'enrobé. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, et du marquage de l'axe médian. Tout ce qui est autres marquages, ça fait parking et tout ça, c'est à la charge de la commune. C'est pas considéré comme étant du département. Oui. Voilà. Donc, pourquoi ils ne gardent pas les deux? La réponse, c'est quoi? Parce que ce n'est plus une route départementale, ça devient une route communale. D'accord. Ils en décident par devers eux et on acquiesce, ou il y a une discussion qui s'engage avec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit? On a une estimation de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte, on fait ça comment? On fait un état des lieux, on dit bon, on accepte de reprendre dans le domaine communal, à condition qu'un certain nombre de travaux soient effectués, ce qui va se faire. Parce qu'on a une mauvaise visibilité, je trouve, hein, d'un point de vue public, sur ce qui va se faire dans la zone, dans le nouveau Chanteloup qui se construit autour du clos du Chêne et qui va être alimenté par cette déviation. Donc pour prendre une décision de ce type-là, sans avoir une estimation des coûts à venir, de ce que l'avantage comparé, de le garder, de le rétrocéder, de dire non, on n'en veut pas. Pour se faire une décision, c'est peu. Et on aurait pu éventuellement solliciter l'avis des habitants, des riverains, leur demander ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents que cette voie soit extra-communale en ce moment, est-ce qu'ils attendent des choses, des investissements, qu'on m'écoute, un peu d'urbanisme, quoi. Celui, c'est votre point de vue, je ne répondrai pas à ça. D'accord. Merci de votre réponse. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui est contre la rétrocession au domaine communal du tronçon de l'ancienne RD5 avenue de la Jonchère dans le domaine communal? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas moi. Deux abstentions, Pierre-Marie Soulis et Gaël Boulier. Qui est pour? Là, tu parles.
rétrocession des voiries, espaces verts, éclairage public, ZAC du Chêne-Saint-Fiacre et ZAC du village. Donc vous avez, si vous voulez, j'ai mis des plans de recollement sur la table, vous pouvez les ouvrir, ça vous paraîtra plus facile à expliquer ce qui va se passer. L'établissement public est pas marre, qui est l'aménageur de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, qui a aménagé les voiries, les espaces verts et l'éclairage public, propose que nous rétrocédons, propose que certaines de ces voiries soient rétrocédées dans le domaine communal, et en fait de permettre aussi aux lotissements qui se sont construits, qui ont des voies privées actuellement, qu'elles soient elles aussi rétrocédées dans le domaine communal. Il y a des demandes pressantes de tous les syndicats de copropriété pour que la commune reprenne ses voiries. Ça ne pouvait pas se faire tant que le débouché sur des voies privées, l'avenue du Chêne-Saint-Fiacre et l'avenue de Charrobail étaient des voies privées, puisque propriété n'est pas marre. Maintenant que les lotissements sont construits et habités, il me paraît normal que nous penchions sur cette idée de rétrocession afin de permettre aux syndicats de copropriété de nous rendre les voiries et qu'elles rentrent dans le domaine communal et que ce ne soit plus du domaine privé. Je précise que depuis que nous avons relancé les marchés de l'éclairage public et des espaces verts, nous avons déjà anticipé la reprise de ces équipements. Quand il y a une lampe à changer, c'est dans le contrat que nous avons avec Citeos qui intervient, et les espaces verts, ça sera Saint-Germain-Paysage qui les traitera. Donc les voies sont en bleu sur le plan, hein, vous voyez les segments. Segment A à gauche de l'avenue de la Jonchère et segment B à droite de l'avenue de la Jonchère. Il y a encore une opération qui se fait à la limite du bois de Chigny, c'est les 35 maisons de l'opération Bouygues. Donc je me suis entendu avec les PAMAR et nous en avons, c'est suite à la décision que nous avions prise en commission d'urbanisme, de soustraire c'est les deux segments qui correspondent à la partie de l'avenue du Chêne-Saint-Fiacre qui part de l'angle de la promenade du lac jusqu'à l'avenue du Bois de Chigny, étant donné qu'il y a une circulation d'engins, de chantiers et de lourds véhicules qui viennent alimenter le chantier Bouygues. Et de la même manière, la promenade du lac, j'ai demandé à l'EPAMARD et ils sont d'accord pour qu'on on soustrait pour le moment ces deux segments de la rétrocession et en émettant les réserves sur les autres parties si comme il y a quand même encore quelques engins de chantier qui circulent. Ça permettra par la suite à chacun des syndicats de copropriété de ne rétrocéder les voies rue des Coquelicots, rue des Valérianes, rue des Marguerites, rue des Capucines, toutes ces voies. Voilà. Sans cela, on ne pouvait pas le faire. Et en ce qui concerne la ZAC du village, alors là, c'est parce qu'il y a eu un défaut de l'EPAMARD de nous le présenter beaucoup plus tôt. Ça correspond à la rue des Bleuets, la rue de l'Angélus et la place des Droits de l'Homme. Mais depuis toujours, nous avons considéré que c'était rétrocédé dans le domaine communal puisque nous entretenons l'éclairage public sur ce secteur-là, qui est le secteur C. Donc voilà, c'était des choses qui ont été vues dans la commission urbanisme avec les réserves que nous souhaitions mettre en évidence au moment de la rétrocession de ces voiries. Donc je rappelle, c'est tout ce qui est en bleu sur les plans que vous avez devant vous. Hein, ça en comprend aussi le soir des frères Bidez, qui a été installé par l'établissement public, à notre demande, et le passage des Fanneurs, qui est un passage piéton, qui est aussi rétrocédé dans le domaine public. Le passage de la Rapprie, qui est marqué en bleu, sera aussi rétrocédé dans le domaine communal.
Avez-vous des questions sur ce sujet? Oui. J'en ai plusieurs. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de plan avec le document que vous nous avez remis il y a 3 jours. On aurait pu se faire une idée des parcelles en question. Je pense, monsieur Soulis, que vous appartenez à la commission urbanisme, qu'on en a discuté longuement dans cette commission, et donc vous connaissez très bien les tenants et les aboutissants. Oui, mais c'est, que je le connaisse ou pas, ça ne change rien à la question. Je vais poser la question. Je vous ai demandé gentiment... il y a quelques temps, justement, en vue des différentes études qui vont venir à nous, de nous fournir un plan de la commune de ce type-là. Et vous nous avez donné un A4 au format PDF qu'on ne veut pas exploiter. Je vois, c'est Pamin qui vous les fournit, les plans, là. Oui, ça, c'est le cabinet Marmagne qui l'a fait pour l'établissement public. D'accord. J'imagine que s'ils se donnent la peine de nous les fournir pour nous pousser à accepter des rétrocessions, ils seront sûrement disposés à nous fournir des plans quand on leur demande pour qu'on étudie l'urbanisme de la ville. Il suffit de leur faire demander gentiment avec votre accord. Bien sûr, mais quand on travaillera sur l'avenir du reste de la Seine-Saint-Fiacre, on aura des plans. Là, on n'y travaille pas aujourd'hui. Là. Pour le moment, c'est pas... Là, on travaille sur la rétrocession des voiries. C'est pas la même chose, c'est l'existence. Oui. Bon, donc vous nous appuierez quand on demandera des plans pour travailler sur l'urbanisme. Bien entendu. Très bien. Je pourrais me réclamer de vous alors. Vous pouvez vous réclamer de moi. C'est bien. Sur les parcelles qui sont concernées, j'ai lu le texte, il est fait mention de terrain d'assiette. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un terrain d'assiette? C'est le terrain sur lequel repose toutes les constructions. Les voiries ou c'est l'assiette. L'assiette, c'est le terrain. C'est la base du terrain. D'accord, c'est les parcelles, quoi. Oui, c'est les parcelles, voilà. C'est ça. D'accord. Les chaussées aussi, sont dans la rétrocession. Pardon? Les chaussées aussi sont dans la rétrocession. Oui, oui. Ben oui, c'est les voiries. Là, on voit les voiries, les accotements. Oui, j'ai bien compris, mais le plan, on ne l'avait pas, on le découvre là. Donc, Non, vous ne le découvrez pas, monsieur. Non. Arrêtez avec ça. Vous l'avez vu en commission d'urbanisme. Vous y étiez en commission d'urbanisme. On les a étudiés. Je ne suis pas là pour en discuter avec vous sur ce sujet. Travestissez pas la vérité, s'il vous plaît. Oui. Vous parliez des syndics de copropriété. On a un avis de ce qu'ils en pensent de cette rétrocession? Ah oui, ils tardent que ça se fasse le plus vite possible parce qu'ils veulent se débarrasser justement des voiries privées. Ça fait des années pour certains qu'ils nous demandent de le faire. Et la réponse a toujours été la même. Tant que c'est des voies, la revenue de Chêne-Saint-Fiacre, la chambre Charobin ne sont pas dans le domaine public, ce n'est pas faisable. Maintenant, ils attendent ça avec impatience, ils attendent avec impatience la décision du conseil municipal pour pouvoir après enclencher de leur côté, eux, la procédure de rétrocession de leurs voiries, des celles que je citais, rue des Coquelicots, rue des Valérianes, rue des Chardons Bleus, rue des Marguerites, rue des Capucines, pour qu'elles soient rétrocédées dans le domaine public. Ils attendent ça avec une grande impatience. Pourquoi? Parce que c'est pour eux, c'est des coûts privés. C'est des coûts, ils sont obligés de reporter ça sur leur copropriétaire. C'est des charges. C'est des charges. D'accord. Il y a un coût à rue des Chardons. C'est à la coupe de le faire. Et jusqu'à présent, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas le faire tant que ces voiries n'étaient pas rétrocédées dans le domaine public, les voiries principales. Donc maintenant qu'elles vont être rétrocédées, on pourra lancer chacune des associations de copropriétaires, pourra lancer la procédure, ce qui se terminera par un acte notarié. De la même manière, ce sera un acte notarié qui finalisera justement le transfert des voiries mises en place par les PAMAN à la commune. J'ai une question. Je rappelle que ça s'est fait pour toutes les autres voiries à chaque fois qu'un lotissement a été fait. La petite chante où vous habitez, là, les forestières où j'habite, où habite Christian Jaillet, ça s'est fait de la même manière. Les lotissements ont été rétrocédés. Comment? Non, ce n'est pas un argument. Ça justifie que on passe à cette phase là aussi pour cette partie de Chanteloup. On va pas avoir deux attitudes différentes par rapport aux nouveaux quartiers et aux anciens. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faciliter aussi après la mise en place de la révision du PLU. On va pouvoir intégrer ces zones qui sont zones à urbaniser en zone U. Et ça permettra certaines choses, permettra aux propriétaires de réaliser certaines choses, comme des vérandas, alors qu'actuellement, ça leur est interdit par le cahier des charges
fixés par les PAMAM. Donc on rentre dans un processus normal d'intégration de ces quartiers nouveaux à la commune. Que tout le monde soit traité de la même manière, les mêmes égards, les mêmes équités. Absolument. Je prends la balle au bon sur le traitement équitable de tous. Je vous posais une question sur le syndic des copropriétés, donc derrière des propriétaires de ces parcelles. Vous nous faites état de leur demande pressée de voir cette rétrocession s'accomplir. Plutôt que nous donner une liste de parcelles sans plan pour les situer, vous auriez pu nous donner le plan et puis avec l'établissement de leur demande pour appuyer votre... On aurait pu juger que les gens disent ce qu'ils pensent. Moi, je vous crois, mais bon... Bah écoutez, je vous invite à passer au bureau de Stéphanie qui est là. Elle collationne tous les courriers, tous les mails qui depuis, et toutes mes réponses que j'ai fait à chacun des copropriétaires. Ouais. Voilà. On va tous passer dans votre bureau en 3 jours pour avoir cette demande. Ou alors vos autres conseillers sont au courant et pas nous, il y a un truc, ça se passe comment? Écoutez, monsieur Soulis, on en a parlé à la commission Vanni, j'ai expliqué le procédé, la procédure. Je la reprends, on la rappelle ce matin parce que c'est public et c'est tout. L'urgence pour certains secteurs de rentrer dans le domaine public. Je pense quand même à l'opération la plus ancienne qui a été livrée en 2009. Ça fait 6 ans qu'ils attendent. Ils ne trouvent pas normal d'avoir attendu si longtemps. La ZAC du village, ça fait 14 ans. Oui, mais la ZAC du village, elle est considérée comme rétrocédée déjà, puisqu'on l'a prise en gestion sans problème. Et là, on ne prenait pas en gestion les parties privatives. Sauf que depuis le renouvellement du marché de l'éclairage public et des espaces verts, on a un peu anticipé par égard justement au délai d'attente qu'ont eu certains copropriétaires. J'ai une question, les rues qui appartiennent aux copropriétés sont en bon état? Oui, oui. Oui, mais ils ont fait des travaux, certains ont fait des travaux. Comment? Non, parce que c'est important. Oui, 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 c'est vrai. Mais certains copropriétaires ont fait des travaux et parce que bon. L'établissement public voulait le faire déjà il y a un an, cette rétrocession. Et il y a un an, comme il y avait des chantiers qui n'étaient pas finis, j'ai dit non. Donc les copropriétaires, avec certaines copropriétés, ont déjà fait certains travaux. Et c'est pour ça qu'ils voudraient que maintenant, les voiries principales soient rétrocédées pour qu'ils puissent rétrocéder les voiries secondaires. Des travaux chez les propriétaires qui font chez eux. Des travaux qui seront instruits... Après, par Marnay-Gondouard, c'est ça, il y a une cohérence dans tout ça. Donc, vous parlez des lettres. Marnay-Gondouard n'a rien à voir là-dedans. Après, les voiries communales, c'est la commune. Oui, j'ai compris. Je ne prenais pas toujours pour un niais. Des questions en rapport les unes avec les autres. Pourquoi vous parlez de Marnay-Gondouard? Marnay-Gondouard n'a rien à voir là-dedans. On parle du territoire communal. Vous ne tenez pas au courant avant, vous nous dites qu'il y a des lettres, vous ne les présentez pas. Il y a des plans, on ne les a pas. On vous fait confiance. Mais franchement, qu'est-ce que vous faites à la commission d'urbanisme? Attendez. Oui, madame Munier. Je vous rappelle quand même que vous avez été élu conseiller municipal, que vous avez accès à tous les dossiers, donc rien ne vous empêche de passer en mairie pour les consulter. On ne vous a pas vu beaucoup jusqu'à présent. 3 jours, ça a été court, j'ai pas eu le temps. Pas 3 jours, mais vous attendez juste le moment du conseil pour vous intéresser aux affaires de la commune, alors. Ça ferait plaisir à vos électeurs. Oui, très bien. Vous nous avez envoyé un mail elliptique il y a 15 jours pour nous dire qu'on allait procéder au vote de la liste électorale ce matin. Donc, on connaît la date 15 jours avant, c'est une première. En nous disant qu'on verrait un certain nombre de points dans tel domaine, de deux choses l'une, vous les connaissez, ces points, les dossiers qu'on va aborder. Donc vous envoyez un ordre du jour succinct, ça nous laisse 15 jours pour passer vous voir. Vous ne les connaissez pas, vous avez dit ça au hasard. Enfin, vous nous invitez à passer chez vous, on va passer notre temps dans votre bureau et dire est-ce que par hasard, vous n'êtes pas en train de travailler sur un dossier. Vous êtes en train de mésestimer le rôle de l'élu que vous êtes. Bon, j'ai une chose. Sachez aussi que dans les dispositions qui sont dans le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, on le respecte strictement à la lettre. Nous ne sommes pas tenus de fournir même un dossier aussi épais que ça. On ne peut vous envoyer que l'ordre du jour. Ouais. Donc, vous devriez être reconnaissant de vous avoir informé 3 semaines avant de ce qui sera l'ordre du jour du Conseil. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais vous ne l'avez pas fait? Mais je l'ai fait, bien sûr, puisque je vous ai dit qu'il y aurait les affaires électorales, la liste électorale et des dossiers d'urbanisme et sur la CMG. Oui, bon, je vous ai déjà donné bien 15 jours à l'avance, et donc c'est ça pour ça que vous alliez plutôt me remercier plutôt que me critiquer de l'avoir fait. Je n'étais pas obligé, on n'était pas obligé par rapport au texte en vigueur qui est le CGCT. Et on vous donne un dossier relativement complet, nous ne sommes pas obligés de le faire, vous pourriez avoir que la feuille de l'ordre du jour, et vous découvririez les dossiers le jour du Conseil. Très bien.
Ça se passe comme ça dans les communes de moins de 3500 habitants. Merci, monsieur Oulet. Lisez le CGCT, vous verrez tout ça. C'est parfait. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions donc au vote. Qui serait contre la rétrocession de ces voiries avec les réserves que nous avons fait valoir à l'établissement public? Qui s'abstiendrait? Moi. Monsieur Soulis. Qui est pour? Merci. Et quand la délibération sera revenue du contrôle de légalité, nous informerons individuellement chacune des copropriétés qu'elles peuvent maintenant lancer les procédures de rétrocession. Et on leur donnera la marche à suivre parce qu'il faut que je la fasse, présenter par l'établissement public parce que ça c'est compliqué. Il faudrait normalement qu'ils fassent des relevés de géomètres et ensuite après ça sera un acte notarié. Et tous ces frais-là sont à la charge des copropriétaires. Et puis une toute petite précision, il ne s'agit pas forcément systématiquement de syndic de copropriété. Souvent ce sont des ASL aussi. Oui, c'est la même chose. C'est une association libre. Voilà. La forme juridique, mais c'est tout à fait. La SL, c'est pareil. Les points suivants, les quatre points suivants concernent la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Cette fois-ci, on parlait de la communication de la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Ce qui me permet de rappeler. Puisque cette séance est publique, on vous a fait des communications par voie de presse ou d'actu, que Marne-et-Gondoire restera Marne-et-Gondoire. La dérogation pour laquelle les 18 communes se sont battues de manière unanime et solidaire a obtenu l'aval du préfet de région, donc du ministère de l'Intérieur, pour que Marne-et-Gondoire reste Marne-et-Gondoire. Voilà. Ça, c'est très important pour l'avenir de notre territoire. Au lieu d'être absorbé par une super comité d'agglomération de 350 000 habitants, nous resterons une entité propre qui atteindra à terme 120 ou 130 000 habitants, sachant que nous sommes actuellement 93 000 habitants. Donc je pense que c'est important à souligner que le travail solidaire des 18 maires et des 18 conseils municipaux de chacune des communes qui composent la petite agglomération a été payant. De la même manière, les autres intercommunalités qui devaient rejoindre Marne-et-Gondoire pour constituer ce gros conglomérat de 350 000 habitants ont obtenu satisfaction. Le Val-d'Europe restera le Val-d'Europe et les trois autres communautés de communes qui sont le Val-Maubuée, Marne-les-Chanterelles et la Rivoisée, je crois, resteront ensemble. Chacune des intercommunalités a obtenu ce qu'elle voulait et je pense que c'est assez remarquable. Ceci étant dit, nous allons prendre les points tels qu'ils sont à l'ordre du jour. Régularisation de la procédure d'adhésion de la commune de Javine à la CMG. Là, vous avez un dossier complet, comme on en donne à chaque fois. Donc, le contexte, je l'explique. Il n'y a qu'à suivre l'avis préalable que nous avons mis avec le dossier. Le conseil municipal de la commune de Javline, par une délibération en date du 15 avril 2011, a adopté à l'unanimité la demande d'adhésion à la comité d'agglomération, sa demande d'adhésion à la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Suite à cette demande, la comité d'agglomération a accepté cette intégration par la délibération 2011-024, adoptée par une très grande majorité, 41 voix pour et 3 contre, lors du conseil communautaire du 26 avril 2011. Les trois voix contre étaient celles de la ville de Saint-Thibault. Conformément à l'article 52.11 du Code général des collectivités territoriales, la délibération 2011-024 du 26 avril 2011 demandait également aux communes membres de délibérer sur l'adhésion de la commune de Javline. Un tel vote devait intervenir dans les 3 mois qui suivent la notification de la délibération de l'organe délibérant aux maires de chacune des communes membres. Chaque décision prise par le conseil communautaire, et notamment l'intégration d'une commune nouvelle, doit être validée par chacune des communes qui composent la comité d'agglomération. Au terme des 3 mois qui suivirent la notification de cette délibération, sur les 15 communes qui composaient alors la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire, 14 ont approuvé la demande d'adhésion de la commune de Javine, tandis qu'une commune a voté contre cette adhésion, c'est la commune de Saint-Thibault. À la suite de cette procédure, et par l'arrêté DRCL-BCCL 2011-97 du 5 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne,
autoriser l'adhésion de la commune de Javline à la communauté d'agglomération de Marne-et-Vaudoire. À la suite du recours intenté par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes contre l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Melun a, le 7 novembre 2014, annulé le dit arrêté au motif que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L21-12 du Code général des collectivités territoriales, au motif que l'envoi d'une note explicative de synthèse avec la convocation à la séance du 26 avril 2011 n'était pas établi. Il y a eu, bon, la commune de Saint-Thibault a voté contre l'adhésion de Javline et en même temps, à l'époque, demandé son retrait de la communauté d'agglomération. Chose qui a été rejetée par le tribunal administratif. Et le tribunal administratif a considéré que l'information avait été insuffisante sur au moment de la délibération de du conseil communautaire sur l'adhésion de la commune de Javline. Mais le jugement a décidé que l'annulation ne prendrait pas effet avant le 7 juillet 2015, ouvrant ainsi une possibilité de reprise valant régularisation de la procédure au stade de la délibération du conseil communautaire. C'est-à-dire qu'entre le moment où le tribunal administratif a pris sa décision en disant que d'annuler l'adhésion de la commune de Javline, mais elle a laissé un délai pour que cette décision soit exécutoire au 7 juillet 2015. Donc, ce qui justifie que nous recommençons la procédure de vote commune par commune, de la principe de l'adhésion de la commune de Javline au conseil communautaire. Considérant ainsi que jusqu'au 6 juillet 2015, la commune de Javline demeure un membre de la communauté, c'est-à-dire Javline est déjà dans la communauté. Si par un hasard quelconque, le vote de chacune des communes n'intervenait pas avant le 7 juillet, la commune de Javline serait considérée comme n'appartenant plus à la communauté de communes. Par contre, elle appartient toujours à la communauté de communes. Le tribunal administratif de Melun a également prescrit que l'arrêté préfectoral portant adhésion à la commune soit définitivement adopté avant le 6 juillet 2015. La commune de Javline souhaite demeurer au sein de la communauté d'agglomération. La délibération du conseil municipal du 15 avril 2011 n'ayant pas été rapportée, de sorte que la procédure d'adhésion demeure en cours. La délibération de la commune de Javline, qui demandait son adhésion à la communauté de communes, n'a pas été rejetée par le tribunal administratif, donc elle est toujours valable. La commune de Javline n'a pas à se prononcer pour une nouvelle fois pour demander son adhésion. C'est nous, notre commune, qui devons nous prononcer sur l'adhésion. Le tribunal administratif de Melun a d'ailleurs prévu que cette procédure reprenne son cours au stade de la délibération du conseil communautaire. C'est-à-dire que la décision du conseil communautaire qui validait l'entrée de la commune de Javline au conseil communautaire est toujours valable. Donc vous avez en rappel les caractéristiques de la commune de Javline, hein, avec le budget, la surface, le nombre d'habitants, et les données économiques qui concernent, si vous voulez, le Marne-et-Vaudoire, puisqu'elle est compétente dans toute la partie économique. Au regard des compétences de la CMG, l'intégration, le maintien de la commune de Javline a des incidences tant sur des compétences obligatoires qu'optionnelles ou encore facultatives. Depuis son adhésion, la commune de Javline n'exerce plus les compétences prévues à l'article L52-16-5 du CGCT et précisées dans les statuts. C'est-à-dire que jusqu'au 6 juillet 2015, la commune de Javline étant considérée comme appartenant à la communauté d'agglomération, les compétences propres à la communauté d'agglomération s'appliquent aussi à la commune de Javline. Il y a notamment trois domaines qui ont été transférés à la communauté d'agglomération, ce qui a eu un impact sur les syndicats auxquels la commune a adhéré. Pour la compétence assainissement, depuis son adhésion à la communauté d'agglomération, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée, le SIAM, qui exerce la dite compétence pour toutes les communes, y compris Javline. Pour la compétence ordures ménagères, la commune était membre du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Nord Seine-et-Marne, ce BITOM, contrairement au reste de la communauté d'agglomération qui adhérait au syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des résidus ménagers de la région de Lagny, c'est-à-dire le CITREM. Aujourd'hui, toutes les communes sont membres à travers la communauté du CITREM, même Javline. Pour la compétence aménagement numérique, la commune devrait impérativement sortir du syndicat mixte de Seine-et-Marne numérique, car celui-ci n'accueille que les établissements publics de coopération intercommunale, ce qui serait dommageable pour le développement de la commune. Mais elle n'a pas à le faire, puisque jusqu'au 6 juillet, elle appartient toujours à la communauté d'agglomération. Les effets financiers sur la fiscalité concernent notamment le lissage des taux des taxes qui est en cours et qui s'étale sur une période de 12 ans depuis l'adhésion de la commune de Bussy-Saint-Georges. Enfin, dernière conséquence notable, suite à la loi du 7 décembre 2010 prévoyant la couverture intégrale de la carte intercommunale des départements franciliens et la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 organisant le renforcement des intercommunalités dans la région Île-de-France, sans régularisation de son décision, la commune de Javline se retrouvera isolée, ce qui serait contraire à la loi. Cela étant,
En pratique, et sous réserve que l'adhésion de la commune de Jablin soit régularisée le 6 juillet 2015 au plus tard, elle n'emportera aucun effet nouveau, d'ordre statutaire, matériel ou budgétaire, puisque comme il a été jugé par le tribunal administratif de Melun à ce jour et juste au 6 juillet 2015, la commune demeure membre de Marne-des-Gondois. Le tribunal administratif a également jugé que les effets produits par l'arrêté du 5 décembre 2011 antérieurement à son annulation, laquelle interviendra le 7 juillet 2015 si aucune régularisation n'est adoptée avant, sont réputés définitifs. La délibération du conseil communautaire devra obtenir la majorité qualifiée des deux tiers, moitié exigée par la création du PCI. Comme le prévoit l'article 52.11.18 du Code général des collectivités territoriales, une fois la délibération prise, la communauté d'agglomération doit la notifier au maire de chacune des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération, dans ce délai, sa décision est réputée favorable. C'est-à-dire que si les communes ne se prononcent pas dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la communauté d'agglomération, l'accord est de fait. La commune de Jablin a renouvelé sa demande et confirmé sa volonté de rejoindre la communauté d'agglomération lors de son conseil municipal du 27 janvier 2015. Les conseillers municipaux ont voté à l'unanimité la demande d'adhésion auprès de la communauté d'agglomération. Il appartiendra enfin au préfet d'autoriser l'adhésion par un arrêté rendu exécutoire au plus tard le 6 juillet 2015. Donc nous sommes dans la situation aujourd'hui de devoir à nouveau nous prononcer sur la demande d'adhésion de la commune de Jablin à la communauté d'agglomération. Donc je pense que, comme nous l'avions fait précédemment avant la décision du tribunal administratif, on l'avait fait de manière unanime. Il faut renouveler ce vote aujourd'hui. Avez-vous des questions à poser ou des remarques à faire? Je précise que la commune de Saint-Thibault votera l'adhésion de la commune de Jablin à la communauté d'agglomération cette fois-ci. Je voulais simplement demander pourquoi la commune de Saint-Thibault avait fait un recours, qu'à l'époque, la commune de Saint-Thibault voulait sortir de la communauté d'agglomération de Marne-des-Gondois. Voilà. Et il fallait qu'ils trouvent un artifice juridique pour pouvoir déposer un recours. Mmh. Donc ils ont déposé un recours qui demandait à la fois leur sortie de la communauté d'agglomération, qui a été rejetée par le tribunal administratif, et donc ils ont utilisé la commune de Jablin comme prétexte pour le faire. Je suppose que c'était un petit peu mépriser la commune de Jablin, l'attitude qu'a eu la commune de Saint-Thibault à l'époque. D'ailleurs, Saint-Thibault a rejoint entièrement Marne-des-Gondois et Saint-Thibault votera l'adhésion de la commune de Jablin. Et Saint-Thibault, au moment où nous nous battions tous pour la dérogation, a été solidaire des autres communes, donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà. D'autres questions ? Nous allons passer au vote. Qui serait contre l'adhésion de la commune de Jablin à la communauté d'agglomération de Marne-des-Gondois ? Qui s'abstiendrait ? Moi. Monsieur Soulis. Qui est pour ? Merci. Création d'un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme. Jusqu'à présent, les dossiers déposés par les pétitionnaires ou les citoyens de Champlou pour un permis de construire, ou par l'établissement public quand il agit en qualité d'aménageur pour la date du Château Saint-Fiacre, les dossiers de permis de construire étaient instruits par la DDT, Direction départementale des territoires. Les dispositions de la loi Allure modifie cette disposition de participation des services de l'État à l'instruction des autorisations d'urbanisme. Ce qui voudrait dire que maintenant, nous procédions à l'époque par convention avec les services de la DDT qui instruisaient gratuitement les dossiers de permis de construire de la commune, restant à la charge de l'instruction communale, les certificats d'urbanisme et les déclarations préalables, les ouvertures de chantier et les fermetures de chantier. Il est certain que certaines villes, par leur importance en population,
ont leur propre service d'instruction du permis de construire, et les instruisent jusqu'au bout, sans avoir recours au service de la DDT. Chanteloup, bien que Stéphanie soit très performante au niveau de l'urbanisme, et les élus qui, comme l'adjoint en urbanisme ou moi-même le maire, considérons que nous n'avons pas les capacités totales pour pouvoir instruire à fond, avec toutes les règles juridiques, les permis de construire. Donc nous avions passé cette convention avec la DDT qui les instruisait pour nous et nous appliquions leur décision, c'est-à-dire je signais l'arrêté soit d'autorisation de construire, donc du permis de construire, soit le refus, un refus motivé, à charge pour le pétitionnaire ou pour le citoyen qui dépose le permis de construire, de se mettre en conformité avec les demandes de la DDT. Donc, nous nous trouvons confrontés très bientôt, au plus tard au 1er juillet 2015, au fait que la DTT n'instruira plus de permis de construire et les petites communes, dont Chanteloup, même une grosse commune comme Lagny, sont interrogées sur comment nous allons procéder. Donc, la comité d'agglomération va instruire les permis de construire, uniquement les permis de construire, de la même manière que les faisaient les services de la DTT avant. C'est-à-dire que un pétitionnaire, et vous avez le schéma dans votre dossier, un pétitionnaire qui va se présenter au service urbanisme de la commune avec un dossier de permis de construire, nous allons l'enregistrer et nous le transmettrons dorénavant à la comité d'agglomération qui l'instruira, au lieu de le transmettre comme on le faisait avant, à la DDT. La comité d'agglomération, bien sûr, crée un service instructeur en recrutant des spécialistes de l'urbanisme. Je pense que c'est comme l'ANI veut rentrer dans ce système-là, que ce soit la comité d'agglomération qui instruit ce dossier, il y aura un transfert de personnel technique instructeur de la commune de l'ANI vers la CAMG. Donc le pétitionnaire se présentera dans sa commune, à Chanteloup, dans le bureau de Stéphanie pour Chanteloup. On enregistrera le permis de construire. Il sera transmis à la comité d'agglomération qui l'instruira, qui nous retournera avec ses remarques. Soit il est validé, je signerai l'arrêté, soit il est nécessairement avoir des pièces complémentaires qui seront demandées aux pétitionnaires. Et dans ce cas, il y aurait un refus qui est motivé. Ça va se faire par une convention. Le même type de convention que nous avions passé avec la DTT, nous la passerons avec la comité d'agglomération de Mardé-Gondois. Ensuite, une fois instruit, le dossier revient à la commune pour que le maire le signe. La commune gardera toujours l'instruction des DP, les déclarations préalables, l'instruction des certificats d'urbanisme, tout ce qui est, inférieur au permis de construire. Voilà. Donc 14 communes ont accepté de ce transfert vers la CNG en tant qu'instructeur, service instructeur. Les communes qui ont refusé, c'est Bussy-Saint-Georges. Pourquoi ? Parce qu'elle a un statut particulier d'OIN, opération d'intérêt national. La commune de Montévrin, qui a son service d'instruction. La commune de Saint-Thibault et la commune de Torigny. Voilà. Toutes les autres communes souhaitent signer cette convention qui vous est proposée avec le dossier. Vous avez un dossier complet, je le répète, avec dedans le travail de chacun des services, le service instructeur de Mardé-Gondoire et le service urbanisme de la mairie. Nous ne sommes pas soumis à l'avis des bâtiments de France, c'est pour ça que la phase d'instruction, c'est marqué à côté sans objet. Nous ne sommes pas une ville classée, nous n'avons pas à soumettre tous nos dossiers de permis de construire aux ABF. Donc la présente convention a pour objet de décrire le travail que fera la comité d'agglomération en manière d'instruction des dossiers de permis de construire et le travail qui reviendra à la commune. Je répète, que ça ne change rien à ce qui se passait auparavant. Au lieu que les dossiers soient instruits par la DDT, ils seront instruits par Mardé-Gondoire. Avez-vous des questions ? Des questions, non. Moi, je pense que vous ne devriez pas signer cette convention.
et autour de la table, nous ne devrions pas signer cette décision du conseil municipal. Il y a déjà beaucoup de choses que les communes ont déléguées, dont elles se sont débarrassées auprès d'un organe politique qui leur est supérieur, Camargue-et-Corps. Je ne cesse de le regretter sur tout un tas de sujets. Il reste quelque chose dans leur escarcelle, notamment l'exercice de la politique de construction et urbaine dans la ville. Vous nous présentez ça comme une solution que vous envisagez. Moi, j'aimerais bien qu'on la refuse. D'autres villes, parce qu'il faut qu'on garde ce pouvoir local ici. C'est vos gens qui sont ici, avec à leur tête le premier responsable, qui peuvent aller voir en traversant la rue, c'est-à-dire le maire ou le conseil, pour se plaindre. Pas une entité qui a d'autres buts que l'aménagement de la ville et qui se trouve un peu plus loin, et qui a été créé dans d'autres buts que la politique strictement locale. Donc on ne devrait pas se débarrasser de cette compétence. Les villes qui ont refusé trouvent, à mon avis, un moyen de collaborer entre elles, ce que je trouve une bonne idée. Donc je sais que certaines d'entre elles se sont rapprochées de Montévrain pour partager le service instructeur de cette ville. Je trouve que c'est une bonne idée. On est voisins de Montévrain, on devrait faire ça. C'est-à-dire qu'il est, à mon avis, plus bénéfique pour l'exercice de la démocratie locale de collaborer avec une ville dont on est voisin, qui est au même niveau hiérarchique que nous, plutôt que de se soumettre encore un peu plus à une entité qui n'est pas élue directement par les électeurs et qui a des visées qui la regardent, qui lui sont propres, de nature politique, et on en voit déjà les dégâts sur plein de sujets. Voilà mon avis. Donc on ne devrait pas se débarrasser de lien avec les citoyens, sinon qu'est-ce qui va leur rester pour nous élire ? L'organisation de la fête de la musique ou la participation... Je vais vous répondre. Un marathon local, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Le permis de construire, en fin de compte, c'est toujours le maire qui le signe. Donc le pouvoir reste total. C'est la capacité à pouvoir instruire un dossier. La capacité, je dirais, malgré toutes les bonnes volontés que nous ayons, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour instruire à fond un dossier de permis de construire. Tous les tenants, les aboutissants juridiques, le code de l'urbanisme, tout cela. La convention que nous avons signée avec la DDT, qui est un service de l'État, avait ce but-là, de nous aider, de nous conseiller dans la signature avant de signer un permis de construire. Par rapport au PLU qui existe, le service instructeur travaille sur notre PLU, avec notre PLU. Ce que faisait la DTT, la comité d'agglomération va le faire. Elle va instruire. C'est la même chose. Il n'y a rien qui ne change. Ils ne vont pas influer sur la politique de la ville, contrairement à ce que vous dites, parce que la politique de la ville reste de la compétence de la commune. Et c'est juste une instruction technique d'un dossier, et spécialement le permis de construire. Donc, ils ont un service qui sera compétent, avec des gens compétents. La ville de Lagny, qui est quand même une ville importante, très importante, a jugé que c'était intéressant de donner la possibilité à... la ville de Lagny, déjà, s'était proposé de le faire. Oui. De dire, nous, on peut aider les petites communes à instruire les dossiers. Sauf que ça va se faire par le biais d'une convention. Mais à un moment ou un autre, on va nous demander une participation financière. Parce que... Les dossiers, s'il faut que la ville de Lagny recrute en plus pour pouvoir instruire les dossiers autres que les siens, donc il demanderait une participation financière. Là, l'avantage de la convention que nous allons passer avec la comité d'agglomération est le même que celui que nous avions quand nous avons passé cette convention avec les services de la DDT, c'est gratuit. C'est un service gratuit, un service d'instruction gratuit. Je crois que c'est quand même important. Ça aussi, de savoir que ce service sera gratuit. Que les autres communes de la taille de Montévrain, qui a un service urbanisme étoffé, s'ils ont les moyens de l'avoir, c'est une ville qui a 10 000 habitants. Torigny, 10 000 habitants. Saint-Thibault, 10 000 habitants. Bussy, c'est à part, parce que c'est leur statut propre d'OIN, opération d'intérêt national, et c'est 30 000 habitants. Ils ont ils sont, eux, déjà, c'est l'État qui leur étudie les permis de construire. Nous, les autres communes, on redevient une commune de droit commun. Et les permis de construire, on doit les instruire, mais il faut avoir les moyens de le faire, les moyens techniques, les moyens juridiques de le faire. Le but de cette convention,
qui est exactement la même que celle que nous avions signée à l'époque avec la DDT. Et encore, elle était plus étendue à un moment à la DDT, puisqu'ils utilisaient aussi les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme. Au fur et à mesure des restructurations des services de l'État, les personnels déplacés dans d'autres services, ou mutés, ou pas remplacés au moment des départs à la retraite, bon, ils ont réduit la voilure. Donc ils ont donné aux communes, nous n'instruirons plus vos déclarations préalables, nous n'instruirons plus vos certificats d'urbanisme. On a formé, les communes ont formé leurs agents, ou pas, nous on a fait faire suivre des formations à Stéphanie pour qu'elle se mette à niveau des connaissances, et on instruit les DP, déclarations préalables, sur des déclarations préalables des travaux, jusqu'à une hauteur de 40 mètres carrés. À partir de 40 mètres carrés, c'est un permis de construire. Mais les permis de construire, la DDT les a gardés. Bon, maintenant, les services de la DDT sont à nouveau réaménagés, les personnels affectés ailleurs. Donc, ils n'instruiront plus aucun permis de construire. Donc, il fallait bien trouver une solution. Marne et Gondoire s'est proposé de reprendre exactement ce que faisait la DDT, le service de la DDT pour les communes, pour assurer ce service d'instruction et de conseil. Il n'y a rien qui change par rapport à avant. Le travail de Stéphanie ne sera pas modifié. Elle fera toujours la même chose, c'est-à-dire réceptionner les dossiers, les transmettre, au lieu de les transmettre à la DDT, les transmettre à Marne et Gondoire. Marne et Gondoire les instruira, nous donnera un avis circonstancié, et à partir de là, on prendra la décision, je prendrai la décision de signer ou pas. Alors moi j'ai deux questions à poser à Monsieur Soulis. Donc la première c'est, est-ce que vous pouvez m'indiquer les communes de Marne et Gondoire qui rejoignent Montévrin, s'il vous plaît. C'est pas tout d'annoncer des communes, je voudrais savoir les noms, oui. S'il vous plaît. C'est intéressant que vous disiez ça maintenant, c'est quelque chose. Parce que pour moi à Marne et Gondoire, voilà, personne ne rejoint Montévrin, donc je voudrais quand même... Personne vous en a parlé? Non, donc je voudrais le savoir. Bon. C'est pas tout de dire des communes, oui. Citer les communes. D'accord. Alors j'ai pas eu le temps en trois jours de préparer un document de synthèse, j'ai passé quelques coups de fil. Et c'est des propositions qui m'ont été faites, notamment par des communes qui refusent cette pétition. Alors pour quelle page? Non, mais moi je ne sais pas le travail que vous avez fait. Je veux simplement le nom des communes, point. Peu importe comment vous avez fait, comment ça s'est fait, moi je veux le nom des communes, point. Oui. On va pas s'étaler. Je suis pas là pour vous les dire. Ah ben alors il faut pas dire des communes on dit qu'elles allaient rejoindre. Ouais, ça c'est un peu fort. Il est formidable, monsieur Soulis, que vous voulez de notre part une transparence, vous n'êtes même pas capable d'avoir. Ça c'est formidable. Alors là, c'est oui, bon, vous prenez cette délicatesse pour ce que vous voulez, ça vous fait rire, c'est pas très grave. La question reste exactement la même. Et deuxième question, si je comprends bien, vous êtes contre la mutualisation des services. Vous êtes contre la mutualisation des services au niveau de l'intercommunalité, puisque vous dites qu'il ne faut pas prendre ce service. Alors, je vais vous dire, c'est la position de Montévrin, c'est certain. Ça tombe bien, puisqu'on va parler du chef à tous. Donc on peut nommer, il n'y en a qu'un, Irène, donc je vais pouvoir vous en parler, vous connaissez ça. C'est qui? La mutualisation des services. C'est qui le chef à tous? Vous ne connaissez pas le nom du président de Chartier? Ah, le président de la communauté d'agglomération. On peut nommer toujours le chef. C'est le chef. Non, c'est pas le chef. Non, c'est le président démocratiquement élu. Voilà. N'oubliez jamais cela. D'ailleurs, il a été élu, le conseil communautaire a été élu au suffrage universel, ça c'est important. Ce sont les démocratiquement élus au suffrage universel, et le conseil communautaire a élu son président, de la même manière que les citoyens de Changelot ont élu le conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui m'a élu maire. C'est le même procédé, la même procédure. Il y a une avancée puisque ça a été fait au suffrage universel direct. Ouais. Alors que les deux précédents conseils communautaires avaient été au suffrage universel indirect. Donc là, il a une légitimité qui est incontestable. À l'unanimité. À l'unanimité en plus, je le rappelle. Donc, Kim Il-sung aussi, il est élu à l'unanimité à chaque fois. Alors, bon, passons sur ce sujet de l'État. C'est pas si bien. C'est certain, le conseil municipal. Madame Munier, je vous réponds. Cette fois-ci, je peux vous répondre. Mutualisation des services. Donc, vous entendez ça comme une collaboration entre les communes et, une rationalisation des moyens dont chacun dispose en les mutualisant. Bien sûr. Bien sûr. Par l'intermédiaire de Marne et Gondoire. Attention. Oui. Normal, puisqu'on adhère à une communauté.
à travers les compétences que dispose la communauté d'agglomération de Marne-et-Vendôme. N'oublions pas cela. J'ai bien compris. Bon, ça n'a pas de rapport les compétences et la mutualisation des moyens. Si, si, ah, justement. Laissez-moi vous répondre deux minutes. Je vous ferai ça, je vais essayer de faire bref. C'est pas compliqué, c'est non. Donc, je suis allé voir M. Chartier pendant la campagne. Je vous ai dit que ça avait été assez frais, il voulait comparer ce qu'il veut. L'une des premières choses qu'il m'a dit de manière véhémente, après m'avoir dit tout ce que vous racontez est faux, vous ne pouvez pas le prouver, un peu comme vous. Donc, la deuxième chose qu'il m'a dit, il était très affirmatif là-dessus. Marne-et-Gondoire n'est pas une communauté de communes de moyens, on n'est pas un bureau d'études, on fait des projets. Voilà. Donc, quand on a des projets, on met en œuvre des moyens, les moyens des autres que vous appelez mutualisés, pour réaliser quelque chose. On les voit s'exercer dans leur magnificence, je ne sais pas, à travers le château au miroir ou d'autres œuvres qu'on verra bientôt. Vous trouvez ça bien, moi pas. Donc je vous le dis, j'ai encore le droit de le dire. Oui. Donc vous, attendez, vous proposez d'en rajouter une couche, toujours plus. Peut-être courez-vous vous-même après votre propre dissolution et en renvoyant tout le monde vers Marne-et-Gondoire, c'est-à-dire partout ailleurs, sauf dans la commune, vous trouvez ça bien, moi pas. Je pense qu'il faudrait plutôt faire l'inverse. Or, vous me parliez de la DDT, il y a une différence entre les services de la DDT et ceux de Marne-et-Gondoire, et je vous les explique en deux mots. La DDT, elle est à Meaux, je suis allé les voir. C'est un service de l'État, ils ne sont pas élus, c'est des serviteurs, c'est des techniciens, vous leur donnez un dossier, vous rendez un avis dessus. Bon, écoutez-moi, la DDT, que je sache, elle n'a pas d'avis sur ce qui va se passer en cœur d'îlot dans Chanteloup. Hein, ça ne la regarde pas, elle est submergée de travail, elle donne un avis technique. A contrario de Marne-et-Gondoire, qui lui a monté des structures pour faire de l'aménagement, qui lui-même est soumis à la loi Allure, qui est un ministre qui est lui-même soumis à une politique. Donc, c'est l'intrusion au cœur de nos villages d'un instrument politique qui est tout sauf neutre, contrairement à ce qu'on pouvait attendre des services de l'État à travers la DDT. Donc, ça n'est pas comparable. Il y en a un qui instruit, l'autre qui agit. Donc, il vous fait croire pour l'instant qu'on va remplacer l'un par l'autre. Si vous avez regardé le schéma deux minutes dans les trois jours chrono que vous avez eu, là j'ai eu un peu plus de temps, entre les trois bulles qui sont là, il y a un lien qui est tendu entre le service instructeur de CMG et le pétitionnaire qui est des renseignements. C'est-à-dire que le dossier que vous allez transmettre, vous allez le faire que le transmettre. Ça va être instruit. Si les services instructeurs ont besoin de poser des questions, ils vous questionnent ou pas, ou ils s'adressent directement à celui qui le dépose, ça passe au-dessus de vos têtes. Sur le... Vous me direz, mais la DDT, c'était pareil. Alors, je suis allé voir, parce que vous allez voir, je travaille même quand vous ne m'envoyez pas les dossiers. Donc je suis allé voir, autrefois pendant la campagne, un maire d'une des communes. Hein, jeune prétendant au titre. J'ai fait un peu le tour de ce qui se passait ailleurs. Écoutez-moi deux minutes, Madame Munier, ça n'a pas duré longtemps. Après, vous pourrez rigoler, ça, je vous laisse pas faire. Je vais faire les deux. Donc, je suis allé voir un des maires là, de CMG pour parler avec lui de ce qui se passait. Et on a abordé le sujet des permis de construire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, mais quand même, monsieur le maire, à travers toutes ces délégations, vous gardez quand même quelques contrôles, comme le permis de construire. C'est vous quand même qui signez, qui ne signez pas le truc. Hein, c'est ce que l'argument que vous venez de reprendre, je garde le contrôle. Qu'est-ce qu'il m'a répondu dans la réalité? Moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Il m'a dit, tu parles. Hein, on reçoit le dossier deux jours avant la date, ou un jour avant la date définitive d'obtention automatique du dossier à celui qui le dépose. Donc, tu as choix, ou tu prends le risque d'aller au tribunal administratif parce que tu dis, ce projet ne me paraît pas valable, pas bon pour ma commune, donc je m'y oppose. Ou il dit, tu fais comme moi, tu signes et t'envoies le truc. C'est une perte de contrôle totale. On en voit déjà les dégâts dans la ville. Il y a déjà dans certaines rues de nos villes des trucs qui n'auraient pas dû être construits. Donc quand vous parlez de contrôle, je ne vous crois pas. Les gens qui sont installés dans l'autre ville que les vôtres, quand vous allez les voir, ils vous le disent, il n'y a pas de contrôle. Donc si en plus vous laissez l'instruction à quelqu'un qui vous prive non seulement du contrôle, mais qui en plus a des intérêts pour agir à votre place et en votre lieu, dans votre ville, moi personnellement, je suis contre. Et je préférerais, monsieur le maire, que vous collaboriez avec des villes, que vous en soyez seul maître, seul responsable, qu'on puisse venir vous voir, que vous fassiez valoir vos arguments, bref, que vous soyez le maire de la ville. Je suis, quoi que vous en pensiez, toujours le maire de la ville, et que ce soit la DTT qui instruit les dossiers jusqu'à présent, que ce soit Marne-et-Gondoire, elle n'en changera rien de tout cela. Voilà. Le service instructeur, il instruit le dossier, il s'appuie sur les documents propres à la commune, le PLU. Le PLU que nous avons voté, que le conseil municipal a voté. Le PLU futur,
qui sera mise en place quand la révision sera arrivée à son terme, la révision que nous sommes en train de lancer. Donc ce document, c'est un document propre à la commune. Ce n'est pas, il n'y a pas de PLU intercommunal, je le signale, ce sont que des PLU communaux. Donc chaque commune est maître de l'aménagement de son territoire à travers le PLU. Il y a quelques règles d'aménagement général que l'on prend en compte et qui vont dans l'intérêt de la protection du patrimoine de la commune. Je pense particulièrement au PPENP, périmètre de protection des espaces naturels agricoles. Ça nous permet de sauver le bois de Chigny, ça nous permet de sauver la vallée de la Gondoire, ça nous permet de sauver la plaine de Fontenelle, de sauver les quelques espaces agricoles qui restent sur la commune sont préservés. Donc c'est un document qui a été voté par les 18 communes de Marne-et-Gondoire à l'unanimité, qui préserve aussi les territoires. Voilà. Par contre, le permis de construire, c'est le maire, le seul pouvoir du maire. Ils sont instruits à l'extérieur, c'était la DDT, ça sera Marne-et-Gondoire, et ça ne changera rien après que ce c'était avant. C'est un avis, il donne un avis, et on le regarde, et on va travailler ensemble. Les pièces complémentaires, quand il y a besoin de pièces complémentaires, la DDT nous faisait savoir, il faut demander aux pétitionnaires des pièces complémentaires. Marne-et-Gondoire fera la même chose, demandera des pièces complémentaires pour le dossier, parce qu'il faut que ça soit conforme au PLU, parce qu'il y a besoin de renseignements supplémentaires. Ça n'enlève rien au pouvoir du maire, au pouvoir en matière d'urbanisme. On ne délègue pas notre PLU à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, ce n'est pas un PLU intercommunal, c'est un PLU communal. Et chacune des communes, les 18 communes, va voter la révision de leur permis de construire. Ce sera chaque commune qui va faire son PLU adapté à son territoire. Grégory. Monsieur Soyez, je vous propose donc de poser ces magnifiques questions au Conseil communautaire. Plus fort, j'en entends pas bien. Je vous propose de poser ces questions que vous venez de poser au Conseil communautaire, au prochain Conseil communautaire, à Monsieur le Président Chartier, qui sera donc à même à vous donner les bonnes réponses. Monsieur, j'ai déjà posé les questions. Non, officiellement, au Conseil communautaire, vous assistez au Conseil communautaire, vous avez la parole à la fin des séances pour poser cette question. Je pense que Monsieur X ou Y de telle commune, puisqu'on ne sait pas de qui, voilà, sera peut-être à même à abonder dans vos fondements, et Monsieur Chartier, le Président Chartier, je pense, vous donnera les meilleures réponses, parce que Monsieur le maire ne sait pas le faire. C'est sûr. Alors, et d'ailleurs, vous dites que vous resterez maître chez vous. Moi qui vais vous admirer votre exercice politique et représentant de la ville au Conseil communautaire de Marne-et-Gondoire, je vous assure, vous ne brillez pas par votre résistance au projet du Président Chartier. Hein, pour la meilleure part, c'est qu'on vous entend jamais. Donc que quelqu'un qui soit comme ça, qui prendra demain le contrôle de l'instruction de vos permis, soit élu à l'unanimité, qu'il n'y ait pas de prétendant, moi je serais vous, ça m'inquiéterait. Mais bon, si ça ne vous inquiète pas, que vous êtes content de suivre le mouvement, suivez-le. Moi je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Donc j'enjoins mes amis conseillers à ne pas le faire. Ce pouvoir doit rester à la commune, les habitants doivent pouvoir vous en demander compte. Je vous expliquer pourquoi vous ne pourrez pas demain vous y opposer. Déjà parce que vous nous la baillez belle avec le PLU qui n'est pas intercommunal, il n'en a pas besoin. Dans la révision du PLU que vous nous proposez, il est marqué toutes les trois lignes. Ça pète aux yeux, il est marqué toutes les trois lignes que tout, de toute façon, doit être conforme au PPNP, à ceci, à cela, aux plans qui sont de Marne-et-Gondoire. Donc c'est déjà soumis de fait. Une autre preuve, on l'a déjà vécu nous. Expliquez-moi pourquoi, et là les pièces se tiennent, pourquoi on est appelé à voter le je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, donner notre avis sur le PLU de Damar, ou d'une autre ville de pourquoi on fait ça? Donc vous nous racontez une histoire d'autonomie, elle n'existe pas. Parce que c'est la loi, monsieur. Je soumettrai pour avis. Et d'abord, je suis tenu de le faire, notamment pour les communes limitrophes, les communes qui jouxtent notre territoire, c'est-à-dire Montévrain, c'est-à-dire Bussy, c'est-à-dire Conches, c'est-à-dire Lagny et Jossigny. Je suis obligé de le faire. C'est les textes qui l'imposent. Ils l'imposaient avant que les comités d'agglomération existent, et ça se poursuivra. C'est un avis. On communique l'avis aux communes, les modifications, les révisions de notre PLU. J'ai reçu celui de Montévrain, j'ai reçu celui de Bussy-Saint-Georges, quand ils ont fait leur révision de PLU, pour avis, pour information et pour avis. Voilà. Oui, c'est à une époque, quand on a créé le PLU, en 2004, quand le PLU a été créé en 2004, je peux vous dire que la commune de Bussy s'était chargée de faire, au niveau du commissaire enquêteur,
tout un grand laïus sur la liaison intercommunale et pour s'arranger pour qu'un jour on nous file l'horaire de stationnement des gens du voyage à la limite de notre commune. S'il n'y avait pas eu Marne-et-Gondoire après par la suite pour justement défendre les intérêts des communes de Jossigny, de Montévrain, de Chanteloup et de Conche, le PLU de Bussy-Saint-Georges ne nous aurait pas arrangé, croyez-moi. Ouais, c'est pour ça que les gens du voyage ont décidé sûrement de venir au cœur du village. Bon, voilà, moi je voudrais quand même préciser pour la dame que dans les communes qui ne veulent pas prendre le service instructeur de Marne-et-Gondoire, c'est pas qu'ils sont complètement contre, mais ils ont des services qui sont déjà... ça pose un problème de personnel, parce qu'ils instruisent leur dossier avec des agents qui ne font pas forcément que ça. Ils sont à cheval sur d'autres services, et pour l'instant, ça leur posait problème de fermer ce service, parce qu'il y avait des moitiés de temps de travail des personnels qui, du coup, ne... Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, dans quelques temps, ils réorganiseront leur service et qu'ils ne viendront pas aussi rejoindre Marne-et-Gondoire. Ce n'est pas qu'ils sont contre... Je ne dis pas toutes les communes, je dis certaines, qui sont contre ce service instructeur, mais il faut qu'ils aient le temps de se réorganiser. Par contre, il y en a qui sont vraiment contre, des communes qui ont prôné pendant des mois et des mois que Marne-et-Gondoire ne mutualisait pas assez de services, et qui, quand on leur propose de la mutualisation, ils votent contre. Voilà. Et ça, je trouve que ces deux discours, c'est tout là le flou... de la politique, malheureusement. Je voulais seulement dire que il y a aujourd'hui de toute façon une réorganisation. On sait ce qui se passe au niveau des régions. On sait aussi le rôle et les obligations, et les préfets sont là pour rappeler les obligations d'intercommunalité, de communauté urbaine. Je ne parlerai pas de métropole. En tout cas, comme vous dites, le grand chef, M. Michel Chartier, a réussi au niveau de toutes les communes, les 18 communes que font Marne-et-Gondoire, de nous préserver d'une intercommunalité urbaine de plus de 200 000 habitants. Et ne voyez pas à chaque fois derrière l'intercommunalité un risque, un danger. Il y a plus grave qui arrive, qui peut arriver. Aujourd'hui, on a réussi à rester Marne-et-Gondoire, ce qui est important. On continuera à essayer de garder la place des communes avec toute la mutualisation. Regardez la caméra. Je regarde si vous êtes bien en l'air. Mes dires. Et ne faites pas croire, et ne faites pas à travers des peurs, faire croire qu'on restera comme on est resté, parce que ça ne peut pas. Voilà. Donc, de la méditer. Oui, c'est une politique de renoncement. C'est une politique que vous-même, vous ne pourriez pas faire et agir sur les dires que vous avez. C'est dire, clairement, on sera autonome, on restera la commune, il y aura des intercommunalités que de voisinage et de copinage. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui à Marne et Gondoire, et heureusement. Non, c'est vrai, c'est pas voilà. Le copinage. Je tenais à le dire. Excusez-moi. Bah, c'est dommage qu'on ne soit pas copains avec nos voisins et qu'on ne cherche pas à l'être. Hein, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas. On est très copains avec les voisins, par contre, ce que vous dites. Au contraire, on a des intérêts communs. On a des intérêts communs, on les défend. Il ne faut pas mentir comme ça, il ne faut pas raconter des histoires. Ce n'est pas le discours. Non, mais qu'on ne soit pas copains avec les voisins, c'est quoi ça? Oui, écoutez, pour toutes ces bonnes raisons. Christian, tu voulais la parole? Non, oui, juste à première vue, de toute façon, l'intercommunalité, c'est pas définitif, qu'on soit vraiment Marne-et-Gondoire tout le temps. Si, on peut l'arrêter, là. C'est un peu un statut. Aujourd'hui, c'est bon. Non, c'est fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est. Non, il y a l'arrêté bon. Du préfet. Aujourd'hui, c'est bon. Non, c'est pas. Voilà, à moins que M. Soulis puisse prévoir l'avenir et faire que la commune reste que la commune. Et fasse. On aimerait bien. Hein, ça n'a pas l'air de réjouir que la commune reste la commune qui est préfet. M. Jaillet, on restera, mais ne pensez pas que la commune disparaîtra. C'est une entité de proximité, comme vous l'avez dit, et pour nous, et ce qui fait aussi le charme de notre commune, et qui est aussi notre discours politique au sens large du terme, je crois que même de certains autour de la table, qui est de garder cette proximité et de garder une ville à taille humaine. Je dirais, voilà,
Donc vous le savez très bien, non, ne partez pas sur des peurs, n'avancez pas des choses qui ne sont pas possibles. Et les maires que vous parlez, j'en connais, on les rencontre, ne croyez pas qu'on ne les rencontre pas non plus, ils connaissent aussi ce discours et lui ont. Alors tu rencontres des maires, des décisionnaires et tu ne nous en fais pas part, la population n'est pas au courant. Il a son devoir de réserve, il a son devoir de réserve dans son cadre de professionnel aussi. Hein? Il a son devoir de réserve dans son cadre professionnel. Non, mais c'est intéressant, vous prenez la décision, vous avez des raisons qu'on ignore. Ben, on rencontre des fois des élus dans notre cadre professionnel lorsqu'on est agent de la fonction publique et on n'a pas à dire à tout le monde ce qui se passe dans les réunions avec nos élus. Voilà, là on est en tant que conseiller municipal, on s'exprime en tant que conseiller municipal. Tu devrais. Bah non, je suis désolé, non, j'ai un devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve, oui, je te remercie. Non, je voudrais revenir sur un concret. Vas-y. Terre à terre. Bon, si j'ai bien compris, les permis reviendront de Marne et Bondoir. Oui. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces permis passent en commission d'urbanisme avant signature du maire. Le maire, après, il décide, c'est son choix, il dit oui ou non, même si la commission d'urbanisme est courte. Mais ça permet de voir quand même les dossiers. Parce que moi, j'ai une petite arête dans le gosier, là, parce que quand il y a eu l'école de musique, le permis de construire de l'école de musique, je l'ai vu. J'ai dit que c'était pas terrible. L'architecture ne coïncidait pas avec la première phase qui avait été faite. J'en avais parlé à M. Chartier. Il avait dit oui, il faudrait peut-être revoir avec les architectes. Et j'ai pas eu gain de cause, parce que Marcel a dit non, c'est comme ça, c'est le permis, point, on barre. Donc c'est quand même un peu embêtant en tant qu'élu. Quand on a une réflexion sur un bâtiment à permis de construire, qu'on ne puisse pas quand même en discuter et que tout le monde ne soit pas au courant. Alors, le permis de construire, tel qu'il est proposé. Je vais te répondre. Ça va permettre de me répondre indirectement à M. Soulis aussi. Le permis de construire, il avait été validé par le dernier conseil. Hein, l'aspect architectural avait été validé par le dernier conseil. Donc c'est pour cela. Et donc c'est vraiment possible que Michel Chartier, par la réponse qu'il t'a faite, ne s'immisce pas dans les affaires de la commune, puisqu'il a dit le maire le conseil municipal le trouve intéressant. Donc ce sera celui-là que l'on fera. Donc c'est une preuve que le président Chartier ne s'immisce pas dans les affaires de la commune. Les élus sont écoutés. C'est l'ancien conseil qui a pris la décision. Oui. Le permis n'était pas accordé quand j'ai soulevé le problème. Oui. Il pouvait être revu. Oui, mais là, c'est tout. Bon, tu nous as fait part de tes remarques à l'époque, on a discuté, et le conseil a jugé. C'est un peu dommage quand même qu'on n'ait pas. Mais ça, c'est ton avis, Christian. C'est ton avis personnel. Voilà, mais attends de voir le résultat, peut-être que tu changeras d'avis quand le résultat sera fait. C'est un point particulier, donc, d'expérience. Et donc, c'est pour ça que je dis ça serait bien d'avoir que les permis passent en comité. On passe en conseil. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que quand un permis sera déposé, eh bien on t'informera que le permis est déposé, tu pourras venir consulter. Mais pendant qu'il est à l'instruction, on a toujours un exemplaire qui reste en mairie. Rien ne t'empêche de venir le voir. Hein. Non, tu le sais, moi, Christian. J'aime bien que tout le monde soit informé, c'est pas que moi. On est quand même plus autour de la permis, tout le monde est intéressé par l'urbanisme et l'architecture. Les permis, ce sont des choses publiques, puisqu'après on doit les afficher, puisqu'ils sont attaquables. Ils sont consultables en mairie par tout le monde, par n'importe quel citoyen, par les élus. Je ne parle pas des citoyens, je parle du conseil municipal. On est courant quand même des décisions qui sont prises, que ça ne passe pas de Marne à Gondoire, direct au maire, qui tout le monde soit un petit peu, parce qu'on dit que l'architecture est une publique, c'est une proposition. Mais dans les opérations futures, qui manquablement sortiront à un moment ou à un autre, pour finir l'aménagement de la ZEC Saint-Fiacre, j'ai prévenu l'établissement public que nous avions créé un comité urbanisme, et que les dossiers seront présentés, l'établissement public viendra les présenter, avec les architectes qui travailleront dessus, pour que nous l'améliorons. Ça se fera à travers la commission, le comité urbanisme. On a procédé ainsi lors du dernier conseil. On était toujours trois ou quatre élus à participer aux réunions, à donner nos avis, et toutes les transformations qui ont pu être faites, les améliorations qui ont pu être apportées, c'est fait sur la demande des élus. Là, on a créé ce comité, je dis bien comité, puisqu'il y a des personnes extérieures, on a tenu à ce que des personnes des nouveaux quartiers et un ancien habitant de Chanteloup, un des anciens quartiers de Chanteloup,
si on peut parler ancien et nouveau, participent à ce comité. Tous les prochains projets seront présentés au comité urbanisme. Ça, je l'ai dit, je le répète et je le confirme. Il y a le projet, il y a le permis. Parce que le permis, c'est la façon... Mais le projet déboule forcément sur le permis. Si, le projet dépose sur le permis. Et, on étudie le projet. Attends, Christian, tu le sais bien. À 80%. On étudie le projet avant de déposer le permis. Ben oui. Quand on dépose le permis, c'est qu'on est d'accord sur le projet. Ben oui. L'essentiel, c'est de travailler en amont. Tu ne fais pas le permis d'abord et le projet après. C'est intéressant. Il y a toujours une partie, après, ils peuvent partir et échanger. Et amener en permis, Sais très bien que même en cours d'exécution d'un chantier où un permis a été volé, il y a des permis modificatifs qui sont demandés parce qu'on s'aperçoit qu'il faut faire des choses. C'est le fonctionnement normal de l'urbanisme. Là, le plus important, c'est d'intervenir en amont de la signature du maire, de voir le projet qui sera le projet définitif et qui sera signé le lendemain par M. le maire. Alors tu sais, regarde, combien Stéphanie on a de permis de construire à peu près par an, on n'en a pas beaucoup. 4. Ça ne modifie pas l'équilibre. Les plus gros permis qu'il y a eu, ce sont ceux qui ont été déposés par les promoteurs, que nous avons retenus avec l'établissement public par rapport à un projet. Voilà. Moi, c'était simplement un peu plus de transparence, que tout le monde soit bien au courant de ce qui se fait dans notre commune. Mais ça a toujours été transparent. Quand il y a un appel à projet qui est fait, il y a 4 ou 5 candidats qui répondent à l'appel à projet. On se réunit avec l'établissement public, les élus, et nous écoutons, nous instruisons avec les intervenants, nous les écoutons, leur posons des questions, et c'est à l'issue de tout cela, ils présentent des maquettes pour les projets, et c'est à l'issue de cela qu'on se détermine sur le choix que l'on va faire. Et à partir de là, quand le projet est terminé, après, le permis de construire vient après. Dans une commune, il n'y a pas que les gros projets. Il y a des projets qu'on a, même plus petits, qu'on a une influence. Oui, mais tout à fait. Mais il y en a combien? 4 par an. 4, c'est des particuliers. On les mettra à l'ordre du jour. C'est des particuliers. Nous, on a très peu de dossiers. C'est intéressant. Le comité urbanisme peut avoir un œil là-dessus, ça c'est... Voilà, c'est ce que je souhaite. Mais ça retarde, il faut voir que si on procède comme ça va retarder les délais d'instruction et le pétitionnaire sera pas forcément ravi. De toute façon, on ne peut pas avec le dépôt. Il y a des délais à respecter. 3 jours. À partir du moment où le permis de construire est déposé, c'est 3 jours pour faire des constructions. Oui, mais c'est ce que je dis, on n'a pas les bâtiments de France, donc on gagne quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et heureusement que Gérard n'a jamais réussi à faire passer le village par rapport aux bâtiments de France, parce qu'on serait drôlement emmerdé. C'est pas faute d'essayer. Bien, est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques sur ce point-là? Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre la convention, le projet de convention pour l'instruction des permis de construire par le service instructeur que ce sera Marne-et-Vaudois? Moi, absolument. Monsieur Soulis, qui s'abstient? Qui est pour? Le point suivant. Le point suivant découle donc de celui que nous venons de voter. À partir du moment où Marne-et-Vaudois est habilité, le service de Marne-et-Vaudois sera habilité sur les permis de construire, il y a une modification des statuts qui est à entériner, puisque au-delà des compétences obligatoires et des compétences optionnelles qui ont été prises par la communauté d'agglomération, les compétences obligatoires, c'est le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, là, en matière d'équilibre social de l'habitat et en matière de la politique de la ville dans la communauté. Tout quoi. Et les compétences optionnelles. Création, aménagement, entretien des voiries d'intérêt communautaire, création, aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire,
c'est pour les parcs de Bussy et les parcs de Montévrain. L'assainissement, et croyez-moi, si, si l'assainissement était resté la compétence communale, on aurait de gros problèmes de budget. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, la piscine et le futur d'Ojo à Chanteloup par exemple. Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement des déchets de ménage et déchets assimilés. Après, il y a des compétences facultatives. Bon, qui ont création, aménagement, entretien et gestion d'air permanente d'accueil des gens du voyage. C'est une compétence facultative, mais la loi l'impose pratiquement. Définition, financement et mise en œuvre de l'ensemble des actions d'enseignement musical public. Je pense que ça fonctionne très bien, les conservatoires sur le territoire de Vendée-Vendôme, les 6 antennes de conservatoires. On a vu derrière, hier soir, ceux qui étaient au vernissage de peinture, ce que peut faire justement la communauté d'agglomération, nommée à disposition l'orchestre. Conception, construction, exploitation et commercialisation des infrastructures de réseaux de services locaux de communication électronique et activités connexes, c'est-à-dire c'est dans le cadre du plan de numérisation du territoire. La communauté d'agglomération de Marne-et-Bondoire a adhéré au syndicat créé par le département pour pouvoir justement assurer dans les années à venir une meilleure desserte de l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération du numérique. Et on devrait commencer à avoir certains effets là, dès l'année prochaine sur... Les travaux vont commencer cette année. Sur la commune de Chanteloup. Mise en service 2016. Voilà. Mise en valeur et préservation des espaces agricoles comme défini dans le cadre du BPNP. Valorisation, aménagement et sauvegarde de la trame bleue du territoire et notamment de la Marne, de ses affluents sur le territoire communautaire, ainsi des sites classés des vallées, des rues, de la Brosse et de la Vendôme. Protection et mise en valeur du patrimoine architectural remarquable d'intérêt communautaire. Donc, dans ces compétences facultatives, il convient d'ajouter, assurer par conventionnement les missions d'urbanisme avec les communes. Voilà. C'est une compétence facultative, qui n'était pas la communauté n'était pas obligée de faire. Il y a une demande de 14 communes dans ce sens-là, qui est dans le sens d'une mutualisation des services, comme on peut le dire, et ce service d'urbanisme est quand même un service important. Donc il faut rajouter cette phrase dans les statuts, donc d'où nécessité de revoter les statuts en ajoutant, assurer par conventionnement les missions d'urbanisme avec les communes. Je vous écoute, avez-vous des questions, des remarques? Donc on va passer au vote. Qui serait contre la modification des statuts permettant justement d'assurer l'émission d'urbanisme par l'instruction d'urbanisme par la communauté d'agglomération? Donc un contre, M. Soulis, qui s'abstiendrait? Qui est pour? Le dernier point, convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de la réalisation de stations d'écomobilité. Sur tout le territoire de Marne-et-Bondoire, les stations d'écomobilité vont être installées, notamment en limite ou dans les zones d'activité. Les stations d'écomobilité, c'est-à-dire les bornes de recharge électrique pour les voitures électriques, et aussi le troisième bon pour du covoiturage, mise à disposition de voitures électriques, moyennant bien entendu un paiement. Donc la communauté d'agglomération s'est engagée à en créer au moins une par commune. Sur Chanteloup, à terme, on aura une deuxième, puisque nous avons deux zones d'activité, on a la zone dégacée et la zone du chêne Saint-Fiacre. La région de Saint-Fiac, c'est l'EPAMAN qui réalisera, quand elle aménagera la fin de la ZAC du chêne Saint-Fiac, c'est-à-dire autour de la rue de la Découverte, il y aura une zone là, et la première va être à la limite de la zone urbanisée et de la zone artisanale dégacée, à l'angle justement de la rue de la ferme du Pavillon et de la rue des Terres Fortes, sur l'esplanade, qui est le grand esplanade à côté de l'hôtel de Chanteloup. Il y aura trois bornes installées là, deux pour les particuliers,
Et l'autre, c'est qu'il y aura une voiture à disposition, moyennant un abonnement, moyennant... voilà. C'est pour, justement, pour la proximité de l'hôtel. Pourquoi ? Parce que ça pourrait permettre aux clients de l'hôtel qui, de prendre ce véhicule pour se déplacer dans, sur le pour aller à Disney, parce que souvent ils vont à Disney, ou pour aller visiter les environs. C'est ce principe se fait dans l'idée d'assurer le développement durable, de protection de l'environnement, dans le cadre des décisions que nous sommes amenés à prendre, justement, pour limiter les émissions de CO2 et préserver l'environnement. Donc, chaque commune devra se déterminer si elle veut ou pas avoir ces bornes d'écomobilité. Et donc, si elle le souhaite, et je pense que pour Chanteloup, c'est une bonne chose, nous devons signer la convention avec Marne et Montbois. Alors, nombre de places de stationnement, ça sera 3, et nombre de bornes implantées, alors c'est une, ça s'appelle une, mais c'est 3 postes. 2 qui sont ouverts aux particuliers. Et le troisième, il y aura un véhicule électrique à disposition. Donc, dans un premier temps, à Chanteloup, une zone sera aménagée. Et dans le cadre de l'évolution de l'aménagement de la zone d'activité du chêne Saint-Fiacre, du Clos du Chêne, pardon, ça s'appelle Clos du Chêne, maintenant, il y aura une deuxième aire d'écomobilité qui est programmée pour plus tard. C'est un projet aussi qui est mené avec l'établissement public et pas mal. La première était sur le Val-Maubuée et les gares sont essentielles, les gares RER et TGV sont visées. Je parle de la gare TGV parce que c'est la compétence de l'établissement public et pas mal, on n'est pas France. Et à l'hôpital de Jossigny aussi. Avez-vous des questions ou des remarques à faire sur ce projet ? Oui. Pour détendre l'atmosphère, vous voulez savoir, comme nous avons vu le directeur de Renault hier soir, si on avait pu négocier une voiture gratuitement pour le conseil municipal pour se déplacer électrique. on verra ça le jour d'inauguration, voilà. Lui posera la question si tu veux. Mais il y aura peut-être un partenariat à développer avec Renault pour le parc communal. Hein. Et pourquoi pas, à ce moment-là, investir dans du véhicule électrique pour les petits déplacements. J'ai eu l'occasion d'essayer la Zoé, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Voilà. Revenons au sujet, à notre sujet. Non, la question c'est après. Ça sera après, je donnerai la parole après, pour poser la question. Donc revenons à notre sujet, selon la convention signée avec Marne et Gondoir, pour l'installation de ces bornes d'écomobilité. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous soutenez ce projet, monsieur le maire, en un mot ? J'ai compris qu'il y avait... ce serait pratique d'avoir une voiture électrique pour les clients de l'hôtel, mais sinon le parc que les clients de l'hôtel, c'est à disposition de tout le monde. C'est une image, c'est pour illustrer mon propos. J'ai dit ça pourrait être utile pour les clients de l'hôtel, c'est pour tout le monde. C'est fait aussi pour les zones d'activité et tout. Une voiture pour tout le monde. Mais non, les bornes. Les bornes, une voiture, c'est cela. Il y a un abonnement. Ça va marcher pas. Les voitures électriques dans Chanteloup. Comment ? Pardon ? Combien de personnes ont des voitures électriques dans Chanteloup qui ont besoin de bornes ? Oh, aucune idée. Et puis de toute façon, chacun peut recharger chez. Et si on ne met pas à l'avance. Quelle est votre motivation pour ce projet ? Ma motivation, je vais l'expliquer. Vous m'avez pas écouté, vous m'avez pas entendu. Je disais, on est dans le cadre du travail de respect de l'environnement, de protection de l'environnement, d'imiter les émanations de CO et de CO2. C'est un souci écologique, alors. Bien entendu. Local, pour Chanteloup, quoi. C'est sur le territoire. C'est le territoire. C'est votre préoccupation, l'écologie à Chanteloup. Ça en fait partie, oui. Et c'est le projet le plus immédiat que vous sentiez...
à cœur de défendre pour l'écologie à Chanteloup, c'est ça, c'est l'écomobilité. Exactement. Ouais, bah c'est bien. Ça coûte rien. Mais je l'ai dit, monsieur Touzoulis, vous n'avez pas écouté, vous étiez occupé à jouer avec votre caméra derrière. C'est pour ça, vous ne m'avez pas écouté. C'est plus clair quand vous le dites comme ça. Oui, oui. Tout est clair. D'accord. Rappelle que tu as fait le phytosanitaire hein, aussi. On s'est engagé. On a, oui, c'est dans le cadre de la politique justement écologique que mène la commune. La convention que nous allons passer avec le département sur la réduction des produits phytosanitaires, en espérant arriver à la fin du mandat à zéro phyto. Dans la mise en place que l'on avait fait avec le CITREM à titre expérimental il y a quelques années de décomposteurs, faut pas l'oublier, tout cela, nous l'avons fait. On a été site pilote pour essayer les composteurs à l'époque. Et ça a très bien fonctionné, et maintenant c'est étendu à toutes les communes. Il y a les constructions, justement, dans les nouvelles constructions qui arrivent, nous regardons, nous exigeons que ça soit BBC et plus. Hein. La preuve, l'opération Bouygues, 35 logements, maison passive house, zéro énergie. Hein. Et on va attendre de plus en plus là-dessus. Donc il y a une volonté réelle depuis toujours de participer à la protection de l'environnement à travers les actions que nous menons. C'est ça. Et là, c'en est une parmi d'autres. Oui, la volonté de Michel Chartier, l'entrepreneur qui va mettre ça au point dans le village et un peu partout. La volonté de Bouygues. C'est lui qui est... La volonté du département. C'est pour ça que je vous demandais quel était votre avis à vous, personnel, en tant qu'État élu de la ville. Tout ce qui va dans l'amélioration de l'environnement, je suis favorable. Et je pense ici, peut-être à part vous, tout le monde est autour de cette table est favorable. Ou plutôt tout ce qu'on vous demande de faire. J'étais ce jour-là, j'étais au conseil communautaire quand M. Chartier a expliqué cette histoire du département, les 500 000 euros qu'il comptait toucher pour le PCI en échange de la signature des maires. De s'engager dans ce processus phytosanitaire. Je me souviens très bien de la discussion cette fois-là, effectivement. C'est du domaine de chaque commune. Après, chaque commune se déterminera suivant ses convictions et suivant la politique qu'elle veut mener pour son territoire. C'est tout. Bah, toutes les contraintes que tous les projets que vous énumérez, là, ne viennent pas du territoire. Ah bon? Ben non, il y en a un qui vient de Rantilly, l'autre qui vient de la maison mère de Bouygues, et le troisième qui vient du département. Il n'y a rien qui vient du territoire. Si on n'avait pas voulu faire ces maisons passives, elles ne seraient pas construites. Et si vous avez vu le travail que ça a demandé pour pouvoir arriver à ce résultat, on a travaillé, on a créé une commission spéciale avec l'établissement public, avec l'ADEME, avec le CAUE, avec EDF, avec GDF, pour arriver à un projet. Un projet qui répond à ce que l'on voulait faire, un projet modèle pour résolution passive. Ça a été un concours lancé après avec des promoteurs. Ils étaient quatre au départ, ils sont finis qu'à deux parce que les autres ont trouvé que c'était trop exigeant, trop contraignant et que ça ne les intéressait pas de faire que 35 maisons. Oui, il l'a fait. Mais nous avons travaillé, et nous avons travaillé dessus. Et on va créer une commission. Qui? Je voulais dire, écoutez, vous foutez du monde là. Je viens de le dire. Il y avait l'ADEME, le CAUE, le EDF, GDF, tous les. Non, mais la commission locale, quelqu'un a donné son avis. Le travail que vous avez fait, c'est quoi? Ben, nous, les élus. Où est-ce qu'on envoie les traces élus, et. Les élus. C'est communiqué comment? C'est communiqué comment? Ça a été communiqué, on en a parlé dans le camp d'Ouloupi, on en a parlé, surtout en plus quand ces opérations ont été primées, quatre distinctions, ça a été dit. Ah oui. Vous vous intéressez très peu à la vie communale, moi ça m'inquiète plutôt votre attitude, vous voyez. Oui, mais je vois, mais là vous me dites ça, mais d'un autre côté, je vois que j'ai tendance à trop m'y intéresser, donc je vous pose des questions. Un an avant les élections, vous avez repenté le territoire. C'est tout. C'est vrai que ça date d'avant. Et ça, tous ces projets-là datent d'avant. Date d'avant, c'est sûr. Un an et demi de travaux, de commission, pour arriver au résultat. Croyez-moi, on a travaillé. Et c'était des réunions tous les deux mois, à peu près. Ça prenait un après-midi entier. Eh bien, écoutez, ça va être magnifique. Alors. Je vous fais pas dire. D'autres remarques?
Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre que nous signions cette convention d'écomobilité avec la communauté d'agglomération pour l'implantation, qui ne coûtera rien à la commune, je le précise, de bornes d'écomobilité. Pourquoi ça ne coûtera rien à la commune? Parce que ce n'est pas nous qui allons la construire. La réaliser. Marne et Gondoire. Avec les phares. Avec l'établissement public. Avec l'établissement public et pas Marne. Et Marne et Gondoire, son argent, il vient d'où? Des subventions, des subventions, des dotations, au même titre que le et de l'impôt. Au même titre que les communes. La taxe professionnelle, avant qu'elle soit touchée, elle a été changée. Hein, c'est un panel de mesures qui remplace la taxe professionnelle, les dotations et les subventions. La communauté d'agglomération est une collectivité territoriale qui fonctionne la même manière que toutes les autres communautés territoriales. Elle fait demande de subventions. Vous parliez tout à l'heure, vous raillez le château de Randilly, c'est 80% de subventions obtenues pour la réalisation. C'est pas l'argent public que l'on donne par nos impôts, les 80%? Sans doute, mais même quand on fait une école à Chanteloup, quand les subventions que l'on a, c'est l'argent public par nos impôts aussi, monsieur. Rationaliser les choses. Vous voulez comparer la construction d'une école à ce château? Non, mais c'est le. Vraiment, vous le faites exprès. Moi, je préfère ne pas répondre. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Ça n'a plus rien. Il faut pas répondre. On va passer au vote. Donc, qui est contre la convention? Monsieur Soulis, qui est s'abstient? Qui est pour? Merci. Comme nous le faisons d'habitude, les décisions du maire prises en vertu de la délégation prévue à l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales. Donc, le 8 janvier, signature de déclaration d'intention d'aller des DIA pour la parcelle du REC A132 de valeur de 340 000 euros. Et le 24 février, une garantie multirisque pour l'exposition de peinture 2015 pour un montant de 260,04 euros pour protéger les œuvres qui nous sont exposées, prêtées par les artistes. Donc, de façon aux questions diverses, y a-t-il des questions diverses? Oui. Je voudrais savoir à quoi sert la commission communication ou si c'est une commission fantôme, parce qu'on s'est réunis deux fois depuis rien du tout. Quand on a donc, besoin. Toutes les affiches passent, les cartes de vœux, machin. Le site internet n'est pas à jour, mais ça, a priori, ça ne concerne pas la commission communication. Je vois l'actu qui annonce l'ouverture de certains commerces, mais pas tous. Visiblement, ça ne on se voit pas, on ne travaille pas. Parce que moi, en tout cas, j'en ai fait deux, réunion. Donc si vous en avez fait d'autres, je ne sais pas au courant. C'est possible. Non, il n'y a eu que deux réunions et Gaëlle était présente aux deux réunions. D'accord, et donc depuis, on n'avance pas quoi. La commission se réunit quand il y a besoin. On se réunit pour des réunions. Pardon ? Pour faire de la réunion. Oui, enfin, on se réunit quand il y a des gros dossiers à gérer. On ne peut pas se réunir au quotidien pour toutes les invitations qui paraissent, pour toutes les affiches, c'est impossible. Matériellement, on avance plus dessus. Pour l'instant, il est lié au PLU. Donc, le PLU avance pour qu'on puisse avancer là-dessus. Donc, quand le PLU avancera, on se réunira à nouveau pour continuer ce qu'on a commencé aux deux premières réunions. D'accord. Je n'ai pas d'informations, je ne peux pas savoir. On l'avait dit, Gaëlle, la dernière fois que le. On devait se réunir début janvier. Oui, et ça a été. C'est pareil, j'ai vu sur le compte Touloupi du 5 février qu'on a tout annoncé que le conseil municipal avait été filmé et qu'il était en ligne. Sauf qu'au moment où le compte Touloupi est distribué, il n'est plus en ligne. Parce qu'il est resté très peu de temps en ligne. Donc pour les gens. Ils vont chercher, ils vont pas le trouver. Et au niveau des. Normalement, il y a peut-être un problème technique, ouais. Faut que je vois, mais normalement, il reste jusqu'au suivant. Bah, là, et après, on le. Bon, merci de le signaler. Et sur le site internet, c'est pareil, le dernier compte rendu du conseil municipal qui est en ligne, c'est celui de juin 2014. Mmh. Mmh. Oui, il y a un problème, parce que normalement, il est, Stéphanie les communique depuis juin 2014, le dernier. Non, c'est en ligne. C'est en ligne depuis plus de 3 semaines, les 3 derniers ont été mis. Vous avez été pouvoir visiter le site quand? Vous avez visité le site quand?
Quand je l'ai préparé, donc il y a deux semaines à peu près. Deux semaines, oui. De toute façon, le 5 février, déjà, j'avais été voir si le compte-rendu en filmé était encore en ligne. On a reçu le compte-rendu. Pourquoi vous n'avez pas appelé cette année dans cette année? Oui, c'est vrai, il faut le faire de suite. Il faut nous le dire, parce que... C'est bien d'avoir été vigilant sur le site, mais vous trouvez quelque chose d'anormal, il faut le dire, vous êtes conseiller municipal, c'est votre droit absolu. Ensuite, je voudrais savoir, puisqu'il y a eu une embauche d'une nouvelle personne en mairie, savoir si... Il est question que les ouvertures soient plus larges, quoi, que les plages d'ouverture. On va y travailler pour réaménager les ouvertures et essayer de faire une ouverture quotidienne sur des tranches horaires bien précises. Mais ça, c'est des discussions qu'il faut que l'on mène aussi avec le personnel pour aménager les horaires d'ouverture au public et que voilà. Donc c'est on a commencé à réfléchir dessus et on va consulter le personnel pour savoir comment ils voient eux aussi les choses. Voilà. Voilà. Et oui, donc sur l'actu, je voulais savoir pourquoi il y a certains commerces qui sont annoncés, pas d'autres, au niveau des ouvertures. Ben c'est quand c'est quand les commerces, les responsables commerces viennent me voir. Ils viennent se présenter. Ils viennent se présenter et dire voilà, Jojo, Toulajo et tout cela. Donc je leur pose la question s'ils souhaitent qu'on leur fasse une publicité ou pas. D'accord. Donc s'ils viennent pas... Et c'est pareil pour le compte Touloupi, je vois que Bélina est bien mis en avant. Et il n'y a pas tous les... Il y a des artisans à Chantou, voilà. Il y a des gens qui n'y sont pas, même dans les petits... De toute façon, les artisans, c'est vraiment droit. De toute façon, il n'y a jamais eu les entreprises sur le canton Loupi. Il y a toujours eu les services les plus proches de la population, c'est-à-dire les commerces, les médecins. Et de temps en temps, en lancement, quand quelqu'un venait nous voir pour demander s'il peut, quand il avait une entreprise, comme il y a eu des plombiers, des choses comme ça, on l'a fait quelque temps, on a dit oui, soyez connus. Après, on le fait pour les commerces de proximité. Je rappelle que c'est gratuit, on le fait gratuitement. Certaines communes financent leur publication en faisant des pages entières de publicité pour des entreprises, soit sur leur territoire, soit à l'extérieur. Bon, ça n'a pas été notre philosophie jusque-là. On a offert un service à la population à travers la publication des commerces de proximité et des services médicaux qui se sont maintenant étoffés puisque nous avons un pôle médical avec dentistes, médecins, podologues. Par contre, il n'y a pas la clinique vétérinaire. Elle n'a pas le droit de paraître. C'est pas le même ordre que les... Non, je lui avais proposé, elle m'a dit non, vous pouvez vérifier auprès d'elle si vous voulez. Elle n'a pas le droit de le faire. Et donc pourquoi il y a une telle différence entre Bélinan, qui est comme ça au-dessus, et les petits qui sont payés l'emplacement? Parce qu'après, bon, ils payent l'emplacement, ça ne veut pas. C'est juste au démarrage, celui-là. Bélina ne continuera pas à y être. Là, on l'a laissé cette fois-ci encore parce qu'on n'avait rien à mettre. Si on en a un qui l'a mis en avant à chaque fois, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Mais que ça tourne, ce sera pas mal. Oui, pourquoi pas. Mais Bélina, s'il y a... La dernière page, le haut, c'est pour des informations pratiques aussi. Enfin, on n'allait pas laisser le carré blanc, donc on a renouvelé le truc de Bélina. C'est tout à fait fortuit. Le prochain camp de l'OPI, il ne sera pas. D'accord, ça... Et quand Renault ouvrira, on fera pareil une petite annonce comme ça pour dire la concession Renault. Oui, on annonce les ouvertures. Voilà. Et juste au niveau de Vianney Pirate, ça en est où? Est-ce qu'il y aura la brocante? Alors le plan Vigie Pirate a été renouvelé cette semaine en haute sécurité encore, attentat et tout cela. Donc voilà. Donc on va. Faut qu'on réfléchisse. Le bureau municipal va réfléchir là-dessus pour savoir ce que l'on fait, si on allège d'où le dispositif ou pas. Par exemple, l'ANI a annulé son carnaval. Non, il n'est pas annulé. Dernière nouvelle. Non, il est modifié. Oui, mais on peut être amené après. C'est vrai qu'il faut y réfléchir en groupe, parce qu'on a aussi le marathon de Saint-Bouvard. Il y a des choses qui sont que de passage. Il faut après regarder et...
faire des réfléchir parce que on vit. On dirait le bureau municipal y réfléchit et pour assouplir le dispositif pour essayer de que la brocante se tienne et que la foire voilà. Donc la décision va être prise rapidement. Et on regarde ce qui se fait autour, parce que les communes avaient pris plus ou moins des mesures strictes. Il faut dire qu'il a été allégé pendant... Et on voit que bon, les activités reprennent, et c'est normal, il faut que la vie suive son cours quand même. Voilà. Donc on assouplira vraisemblablement le dispositif pour permettre à la brocante de s'être entretenu avec Madame Delfrade. Pour cela, elle serait d'accord pour qu'on fasse la brocante, donc on va sans doute assouplir le dispositif. Je vais reprendre derrière Gaëlle. Dans l'arrêté municipal temporaire que vous avez pris, il y a marqué que seront suspendues les manifestations brocantes, fêtes foraines, fêtes des voisins, pique-nique, foulage, l'auto, soirée, comité des fêtes, exposition de peinture, elle a eu lieu hier, concert, fête de la musique, marathon dans les gondoirs. Il y a des associations qui ont prévu des événements. Alors, où on leur dit... pour une raison que je ne veux pas discuter, ce n'est pas le but de la question. Ou on leur dit non, on interdit tout, et tout le monde reste chez soi gentiment. Ou on fait des exceptions, pour certains, pourquoi, comment vous gérez le truc Je gère le truc simplement. Chaque fois quand on me pose la question, je dis s'il y a un contrôle des entrées, s'il y a sur invitation, ça peut se faire. Si vous avez remarqué sur les hier, c'est la première fois qu'on le fait sur le carton d'invitation pour le vernissage. C'était marqué, le carton sera représenté à l'entrée. Ali a assuré le contrôle à l'entrée pour filtrer. Donc, et on a autorisé, je crois qu'il y a quelqu'un d'une association dans la salle qui fait, je crois, c'est le 12 avril, si je ne me trompe pas, au 18 avril. Bon, pareil, on a dit, bon, pas de problème, mais faut surveiller les entrées. Le concert de musique qui a eu lieu au mois de janvier, Marne-et-Gondoire, j'avais exigé du directeur du conservatoire qu'il y ait un contrôle à l'entrée, avec les, et ça s'est fait, tout ça. Bon, on peut le faire comme cela. Et chaque fois que j'ai eu des demandes, j'ai répondu favorablement. Donc, la règle, pour que ce soit clair, c'est une manière d'assouplir mon arrêté quand je traite au cas par cas. On reviendra, c'est que si je reprendrai notre arrêté et qu'annule le précédent, en ouvrant davantage. Donc, on a la même liberté qu'avant, sauf que cette fois-ci, c'est sur invitation et avec contrôle à l'entrée. C'est les seules règles. Ben c'est celle que j'ai demandée et qui n'a perturbé personne. Non, c'est pas une critique, toutes les questions que je pose. Les critiques à faire. Non, mais j'ai dit. Donc, on peut faire la comme avant, avec de la publicité, des affiches et tout, du moment que c'est sur réservation et à contrôle à l'entrée. Très bien. Ben voilà, ça répond à mes questions. Merci d'avoir répondu. Oui, vas-y, Christian. Voilà, donc, j'ai reçu un flyer disant que Mme Munier se présentait aux élections départementales. Donc, je voulais savoir dans ce cadre si elle est élue, si elle resterait maire adjointe, par exemple. Et qu'elle s'occuperait toujours de Marne-et-Gondoire, si elle pensait à démissionner de son poste, si elle était élue. Déjà, attendant de savoir. Mais je pense que c'est hors sujet, parce que. Comment ? Les élections départementales n'ont pas à venir. C'est un cumul de mandats, bah, pour moi. Un cumul, alors si on va par là, c'est un cumul autorisé. Comment ? Il y a des cumuls interdits, cumul autorisé. Donc, et puis en plus, réponse, oui, on a. Alors attendez, parce qu'au sein du conseil départemental, on peut avoir plusieurs fonctions. On peut être simplement conseiller départemental, ou avoir une vice-présidence. Comme ça, c'est deux choses différentes. Le travail n'est quand même pas le même. Nous, moi, si je me présente, il faut faire du travail de terrain. Être proche. Donc je pense que l'intérêt d'être élu, il existe. Pour mieux connaître son territoire. T'as entendu ici, moi je n'ai pas entendu. Il y a cumul ou pas cumul, ou on sait la décision, on ne sait pas, on verra. Cumul. Plus facile. Cumul. Madame Bénédicte, non. Non.
Si elle était. Non, mais on entend par cumul. Un maire ne peut pas être président d'un conseil départemental, par exemple. Madame Munier, elle est adjointe, elle est conseillère municipale avec un titre d'adjoint. Voilà, donc elle peut cumuler un poste de conseillère départementale. Ça ne n'est pas dans l'interdiction, ce n'est pas, non, c'est pas quelque chose de. C'est une masse de travail. Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par masse de travail? Qu'est-ce qu'on entend par masse? À ce que je sache, Madame Munier est à la retraite, donc elle a une facilité plus prégnante que certains. Non, c'est ça ne peut pas nuire. Ça ne nuit pas à son travail de terrain, je suis désolé. C'est pas compatible et ça ne peut pas nuire à son investissement. Je ne pense pas que ça nuise à son implication, au contraire. C'est quand même une chance pour Jean-Claude, ouais, je le dis. Bah oui. Il y a d'autres élus du territoire qui se présentent aussi, qui occupent à la fois la fonction de maire, la fonction de conseiller général et la fonction de vice-président du conseil communautaire. Ça existe, hein. Ça existe, il y a sur le territoire. Et d'autres syndicats. Qui sont candidats à cette élection départementale des 22, de 22 et 29. Et vice-président de syndicat, monsieur. Le président du syndicat, carrément. Le président du syndicat des transports. Voilà. Donc, le travail, il le fait normalement, sans problème. Le tout, c'est que le travail soit bien fait. Voilà. D'autres questions? Oui. Des questions qui portent sur les associations. Vous savez que dans l'état fort, en prévision du conseil, j'ai appelé des gens à me faire remonter des questions pour que je les pose, donc je vais m'en faire part. On va appeler ça la rumeur publique, je sais que vous aimez bien. Une question m'a été soulevée sur notamment le contrat que vous avez avec Script Laser, la municipalité, pour les photocopies pour les associations. Il paraît que ça n'a pas été remis à jour. Il y a un problème. Qu'en est-il de celui-là? Non, c'est remis à jour. La preuve, c'est que j'ai juste un petit différent, mais qui n'empêche pas les associations d'aller faire leurs photocopies avec la société Script Laser. C'est que je fais un courrier avec un quota de photocopies pour les associations. J'ai demandé à avoir des factures qui correspondent au réel, c'est-à-dire aux photocopies exécutées. Script Laser m'envoie toujours le paiement de la totalité que j'ai mis à disposition. On a mis un montant de photocopies autorisées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes utilisées. Eux, ils me font payer la totale. Donc, c'est le seul différent que j'ai avec Script Laser, mais ça n'empêche pas les associations d'aller faire leur photocopie. Rien n'est changé. Parce qu'ils vous disent que c'est pas renouvelé. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Très bien. Maintenant, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Parce que ça m'intéresse. Quelle association? Est-ce qu'ils vous ont dit? Si vous me dites ça, c'est parce que Script Laser. Quelle association? Oui, c'est une question qu'on m'a posée, je vous ai dit tout à l'heure. À l'annonce du conseil, j'ai fait paraître un article en disant si vous avez des questions, vous me les posez, je les présenterai au conseil. Mais alors, quelle est l'association? Quelles sont, pardon? Quelles sont les associations en question? Arrêtez de jouer avec ça. Attendez que je puisse leur expliquer. Vous ne posez pas des questions comme ça. Vous devriez vous inquiéter de savoir pourquoi on en arrive là. Moi, je ne sais pas, c'est votre problème. Vous c'est la délation. Cette question que je vous pose. Mais c'est toujours anonyme. Elles seront informées. Siret a répondu. Absolument. Passons à la question suivante. Il n'y a pas matière à polémique. Passons à la question suivante, madame. Siret a répondu. Passons à la question suivante. Merci. Sur une question qui m'a été remise aussi, sur le livret que vous avez remis aux nouveaux habitants, on dit qu'il est bourré d'erreurs. La question, c'est pourquoi les acteurs de la commune n'ont-ils pas été sollicités avant validation et édition de cet ouvrage? Le petit livret que vous avez remis aux habitants, voilà. Quelles erreurs? Moi, je vous avais fait remonter. Oui, mais c'est les erreurs, des fois des fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Bon. Voilà. Oui, non, plein d'erreurs. C'est le service communication qui l'a rédigé, on l'a relu, si on a fait des erreurs, si on a oublié quelques erreurs, on s'en excuse. Ça arrive, j'en veux pas. Non, l'erreur est humaine. J'explique. La question, c'est pourquoi les gens n'ont pas été sollicités avant validation, édition de cet ouvrage? Les gens? Ben, qui vous voulez? Les gens qui sont susceptibles d'erreurs, les gens qui les remarquent, les habitants, vos concitoyens, les gens dont vous parlez. Le, 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 le,
l'ai livré, on l'a relu, je l'ai relu, j'ai laissé passer des heures, c'est tout, point net, je n'irai pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin, merci monsieur le maire. Alors, une dernière question. Et je le relirai encore la prochaine fois quand on fera la commission. Oui, vous ne changez pas vos pratiques. Pas du tout, je ne change pas les choses qui marchent bien. C'est vous le chef, c'est clair. C'est exactement. Oui. Merci alors, de le reconnaître. Une dernière question, si vous me le permettez. Bien sûr. À propos des clés des différentes salles, notamment la salle Vendongaine, apparemment, certaines associations ont du mal à les attraper avant la fermeture des bureaux de la mairie. Et voudraient savoir si on ne pourrait pas organiser une autre solution pour la mise à disposition des clés aux gens qui rentrent, je ne sais pas, de Paris ou Pétaouchnock et qui passent prendre les clés après, enfin qui ne peuvent passer prendre les clés qu'après la fermeture de la mairie. Est-ce qu'il n'y a pas une solution qu'on pourrait trouver ou étudier pour résoudre ce problème? J'ai pas eu. Ou est-ce que vous êtes disposé à étudier ou à trouver quelque chose? J'ai fait des propositions, on les verra après. D'accord, donc on vous fait des propositions et on discutera. Oui, et ça m'est arrivé. Et certaines associations qui sont présentes ici, quand ils avaient un problème, m'ont appelé directement chez moi et je me suis fait le devoir de pouvoir leur permettre l'accès à la salle. Donc il y a toujours une solution. Même moi, je me suis déplacé et je trouvais que c'était normal. Je l'ai fait sans aucun a priori. D'accord. Donc on peut réfléchir à quelque chose et vous proposer. Exactement. Si ça tient la route, on pourra l'adopter. Très bien, merci monsieur le maire. Alors, la rumeur publique une association une sportive de Jiu-Jitsu bénéficie d'un double des clés de la salle qu'elle utilise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle a un double? J'ai pas bien compris. Non, l'association Jiu-Jitsu, c'est ce qu'on m'a dit. Jiu-Jitsu. Posséderait les doubles des clés de la salle qu'elle utilise. Aurait un jeu personnel de la salle qu'elle utilise. Alors il n'y a pas d'association Jiu-Jitsu. Oui. Corrigez si vous voulez. Pardon? Corrigez. Est-ce que vous faites allusion au dojo? Sûrement, c'est sûrement ça qu'on voulait. Le dojo. Ben, le dojo, oui, il a une clé pour accéder à la salle de sport. Le tennis a une clé, le président du tennis a une clé pour accéder au cours de tennis. Il y a d'autres associations comme ça qui ont les clés du local dont elles ont l'usage? Je crois, oui. Et pourquoi certaines et pas toutes? Ça revient un peu sur la question que vous posez. Ça dépend des bâtiments, ça dépend des fonctionnements récurrents. Il n'y a pas de gardien, il y a des fonctionnements récurrents. Et sur des associations qui ont un fonctionnement plus régulier, notamment sur le dojo, il y a une relation de confiance et une convention. Vous n'avez pas confiance dans les autres alors? Non, parce que c'est ponctuel et puis que, vous savez, le problème des clés, c'est un très gros problème. Oui. Et même si on est en train de revoir l'organigramme, de donner des clés, c'est pas anodin et on sait le problème que ça pose. Donc on lui. Si la proposition, c'est donner des clés supplémentaires, on peut vous dire que ça ne sera pas accepté. Si l'organisation, c'est de trouver des solutions pour que des clés soient prises avant ou autres, oui. Et puis si l'idée, c'est de dire on donne des clés à tout le monde, c'est pas possible. Donc. On réfléchira. C'est quoi la question? C'est ça qu'il faudrait être plus clair sur la question. C'est une demande de clé pour tout. Je recommence. Alors, allez-y, recommencez. Général, regardez, écoutez-moi, vous allez comprendre. Je ne vous regarde pas. Allez-y. Oui. Il y a un problème général d'accès aux différentes salles. Voilà. Donc là, il faut passer prendre des clés à la mairie. On ne juge pas si c'est normal ou pas, c'est un fait. Voilà, donc il faut attraper les clés avant les horaires de fermeture de la mairie. Parfois, ce n'est pas possible. Question, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution qui agrège tout le monde et qui soit intermédiaire? Monsieur le maire, pas de problème. C'est ça, j'ai bien compris. Monsieur le maire a dit, c'est ouvert, réfléchissez, faites une proposition, on discute. Et je trouve ça très bien. Je prends, ça, je le mets dans ma besace, ça fera une belle réponse. La deuxième question que je pose, c'est, apparemment, il y a des associations qui disposent des clés des salles qu'elles utilisent, et pas d'autres. Donc je lui ai posé la question de savoir pourquoi, il m'avait répondu. C'est la confiance en certaines et pas dans d'autres. La réponse reste celle qui a été donnée. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas à commenter. Vous ne tenez pas compte des questions. Voilà. Je vous remercie de répondre. Petite dernière, point poste, par exemple, parce qu'on en a parlé il y a déjà quelques mois, où ils s'enlèvent. Mais on a des devis pour faire l'aménagement intérieur, et quand l'aménagement intérieur est fait, j'attends que la poste me donne les cotes
pour l'aménagement intérieur, parce qu'ils fournissent le mobilier, mais il faudra qu'on fasse des aménagements, monter des cloisons et tout ça. Et je veux les cotes, et je veux les cotes du mobilier et la taille des pièces qu'ils veulent pour pouvoir lancer les travaux. Là, on va lancer les travaux de peinture et d'électricité dans un premier temps. Ensuite, on fera l'accessibilité au PMR. Et après, la poste viendra installer son... C'est toujours d'actualité. Ah, c'est toujours d'actualité. Une rumeur méchante. Oui, mais oh là là. C'est toujours d'actualité. C'est toujours... Monsieur Pugliese, qui est le responsable départemental justement d'aménagement du bureau, doit être débordé de travail parce qu'on l'a une fois sur trois au téléphone. On le voit par mail, il répond ou il ne répond pas. On attend qu'il nous donne les cotes intérieures pour qu'on puisse monter les cloisons et après ils viendront installer leur mobilier. Mais c'était. Et tant qu'on n'a pas tout ça qu'on n'a pas préparé, on ne signera pas la convention. Mais c'est toujours d'actualité et ça sera réalisé avant la fin de l'année. Ça. Voilà. Plus de questions ? Si, petite dernière. Vous avez une politique en matière de vidéo ? Je vois que Gaëlle disait qu'elle avait disparu. C'est quoi votre schéma d'organisation sur ce sujet ? Vous y laissez ? Je ne comprends pas votre question. Comment soyez plus clair, plus précis. Vous avez raison, je m'exprime mal, c'est souvent le cas. Alors, comment vous mettez les vidéos du conseil à disposition du public ? Sur le site. Sur le site. De la mairie ? Oui. D'accord. Elles sont là pour toute la mandature. Elle sera renouvelée à chaque conseil. Et par contre, on les garde sur CD. On n'y touche pas. On ne fait pas de coupe. On ne va pas accumuler sur la toute la mandature les conseils filmés. C'est trop lourd, le site ne supporterait pas et tout ça. Donc chaque fois qu'il y aura un nouveau conseil, la vidéo du conseil précédent sera retirée, elle sera stockée sur un support archivé, et voilà, et le prochain conseil apparaîtra. Il me semble que c'est pas le fonctionnement le plus judicieux. Non, mais c'est pas la discussion, je vous pose une question, vous répondez. Oui, merci. Je vous ai répondu. Oui, mais j'en prends. Y a-t-il encore des questions ? Donc il est 11h07 ce samedi 7 janvier. Non, mars. 7 mars. Je clôt la séance du conseil municipal.